Voilà, rebonsoir. Je tiens à accueillir maintenant Monsieur Jean-Bernard Lévy, dont le mandat de président d'Électricité de France vient tout juste de se terminer. Et je tiens à le remercier d'avoir accepté de venir devant notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous avons avant vous, Monsieur Lévy, eu l'honneur d'auditionner Monsieur Gadonex et Proglio, qui vous ont précédé dans le même format d'audition. Vous avez présidé après eux EDF pendant 8 années, au cours de 2 mandats successifs de 2014 jusqu'au mois dernier. La cessation récente de votre dernier mandat me dispense d'essayer de dresser un tableau rétrospectif du contexte dans lequel vous avez exercé vos mandats et des activités du groupe. Vous avez en effet été souvent entendu par les organes du Parlement lors de l'examen de textes législatifs ou dans le cadre de travaux d'évaluation et de contrôle. Votre mandat n'en a pas moins été traversé de grandes problématiques, celles du chantier de Flamanville, du grand carénage, de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, de la sécurité, des frictions nées des diverses dispositions mises en place, des problèmes de corrosion sous contrainte sur la fin de votre mandat, ont également déjà été abordés dans cette enceinte. Ces problématiques, en incluant le rachat d'Areva et les fermetures de réacteurs, ceux de Fessenheim, méritent ici d'être examinées sous l'angle retenu par notre commission, celui du processus décisionnel. Un questionnaire vous a en ce sens été envoyé par le rapporteur, Monsieur Antoine Armand. Je ne vais pas être plus long que cela dans mon propos introductif pour très vite vous laisser la parole, Monsieur le Président, tout en nous excusant pour la demi-heure de retard pour le début de l'audition et en espérant que nous pourrons tous collectivement voir la deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'en fixant la date, on n'avait pas initialement anticipé la qualification de l'équipe nationale de football. Donc, on va essayer de conjuguer toutes ces contraintes. Avant de vous laisser la parole, il me revient de vous demander de bien vouloir prêter serment en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Voilà, je vous laisse la parole pour un propos introductif. Bon, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre de votre enquête. Et si vous le voulez bien, comme convenu avec le Président et le Rapporteur, je commencerai par un propos introductif assez bref avant de répondre à vos questions. Vous l'avez dit, j'ai quitté EDF il y a environ 3 semaines. Et donc, les propos que je vais tenir sont ceux d'un ancien dirigeant de notre électricien national. Je ne suis plus aujourd'hui qu'un observateur indépendant, un jeune retraité. Bien sûr, mon propos sera nourri par mon expérience de 8 années à la tête de cette magnifique entreprise. Et je voudrais saluer dès à présent l'engagement des salariés d'EDF au service de la collectivité nationale. On le voit jour après jour. Je voudrais aussi vous dire que je ne traiterai que d'électricité, bien que EDF soit également un fournisseur de gaz pour ses clients, qui sont des ménages et des entreprises. Et les clients d'EDF pour le gaz sont de plus en plus nombreux chaque année. Je les en remercie. Un petit peu de retour en arrière. Comme vous le savez, grâce au succès du programme électronucléaire, la France a pu engager dès les années 80 la décarbonation de son bouquet énergétique, notamment grâce au rôle joué par l'électricité dans le chauffage des bâtiments, qui sont plus souvent chauffés à l'électricité en France que dans les pays comparables. Et de fait, le poids de l'électricité dans la consommation de l'énergie, la consommation totale de l'énergie, est un peu plus élevé en France qu'il ne l'est en moyenne dans les pays voisins. Cela nous donne, sur tous nos voisins, un net avantage en matière de décarbonation. Néanmoins, les énergies d'origine fossile en France, celles qui produisent beaucoup de dioxyde de carbone, elles restent largement majoritaires dans la consommation d'énergie globale de notre pays. Et chacun sait que notre territoire ne recèle guère de gisements en la matière dès lors que la loi française interdit d'aller ne serait-ce que regarder si des pétroles ou des gaz de schiste pourraient être exploités en France dans des conditions attrayantes. On pourrait dire qu'il est paradoxal que, suite à la guerre déclenchée par la Russie sur le territoire ukrainien, nous nous mettions à importer massivement et durablement
du gaz américain en provenance de formations géologiques que nous nous interdisons d'explorer et a fortiori d'exploiter en France. Je vais peut-être un peu loin, je vais m'arrêter là sur ce sujet qui est quand même à mes yeux le signal d'une perte d'opportunité en matière de souveraineté et d'indépendance énergétique. Je vais donc revenir à l'électricité, qui est depuis plus de 40 ans un atout indéniable pour notre pays et pour notre bilan carbone, en grande partie grâce à notre parc hydroélectrique, mais aussi, bien sûr, grâce à notre parc nucléaire. L'électricité bas carbone française, ainsi produite sur notre sol, apporte au pays un approvisionnement sûr et souverain. Il apporte de l'activité grâce aux emplois industriels qui en découlent. Il apporte des recettes commerciales grâce aux exportations que nous pouvons engranger. Et puis, il apporte un potentiel de compétitivité, car le prix de notre électricité devrait être largement à l'abri des soubresauts des prix des marchés des matières premières. On le sait, tel n'est pas le cas. On y reviendra si vous le souhaitez. Je voudrais, dans un premier temps, avant de répondre à vos questions, m'attarder sur deux des causes qui me semblent primordiales dans l'analyse du sujet de votre enquête. Quand j'arrive chez EDF, c'est fin 2014, quelle n'est pas ma surprise de prendre conscience des implications de la loi NOM, la loi du 7 décembre 2010, qui institue un mécanisme, l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un mécanisme pernicieux qui va croissant sur l'endettement d'EDF au rythme d'environ 3 à 4 milliards d'euros chaque année. D'accroissement de l'endettement d'EDF. Je l'ai dit et répété pendant 8 ans, l'AREN est un poison pour EDF. Et je voudrais expliciter avec vous les 3 raisons qui font de l'AREN un poison. Tout d'abord, le prix. Le prix est de 42 euros pour 1 mégawattheure. Il est inchangé depuis l'instauration de l'AREN le 1er janvier 2011. Et j'observe que ce prix s'appliquera encore sur l'exercice 2023. Ce prix est manifestement sous-évalué par rapport au prix de revient de notre production nucléaire. Je me réfère par exemple aux calculs détaillés qui ont été produits en 2019 par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Pourtant, elle est peu suspecte de soutien à l'égard d'EDF. Cette sous-évaluation engendre un affaiblissement systématique d'EDF et je vais y revenir. Mais je voudrais d'abord vous dire qu'au moment même de mon arrivée en 2014, devant cette sous-évaluation manifeste, le gouvernement français et la Commission européenne avaient engagé des discussions approfondies pour augmenter la valeur de l'AREN, faire passer la valeur d'un mégawattheure d'AREN de 42 à 52 euros par palier de 2 euros chaque année. Hélas, cette négociation a pris fin assez vite lorsque le prix du mégawattheure sur le marché de gros européen est tombé sous les 42 euros. C'était dans les derniers mois de 2015 et nous en sommes depuis restés à 42 euros. Et lorsque le prix de gros tombe sous les 42 euros, comme fin 2015 et en 2016, nous voyons naturellement les opérateurs concurrents d'EDF dédaigner tout achat à l'AREN pour acheter sur le marché à un prix inférieur. Et en cela, EDF est en somme une deuxième fois victime de l'AREN, puisque ce mécanisme revient à donner une option gratuite aux concurrents d'EDF, dont bien évidemment, ces concurrents font usage quand l'opportunité se présente. Cette caractéristique tout à fait étonnante est décrite par le mot « asymétrie ». EDF se retrouve donc en 2016 et 2017 avec des recettes très inférieures, puisque le prix de gros du mégawattheure tombe à 30 euros, et même par moment sous les 30 euros jusqu'à 26 euros. Ce manque à gagner contraint EDF à un plan de restructuration sévère, qui est de fait imposé par les agences de notation qui dégradent à 3 reprises la dette d'EDF. Ce plan a été approuvé et rendu public en avril 2016. Il comprenait un ensemble important de cessions d'actifs, une trajectoire d'économie sur les coûts de fonctionnement et une concentration des investissements d'EDF sur les activités bas carbone, déjà. Ces 3 aspects, ces 3 volets du plan ont été mis en œuvre par EDF conformément aux objectifs d'origine. Le plan a été préparé et réalisé avec un soutien remarquable du ministère de l'Économie et des Pouvoirs publics en général, car l'État, pour la première fois, renonce aux dividendes d'EDF payés cash. L'État ignore que cela va durer pendant des années. Et l'État souscrit de plus à hauteur de 3 milliards d'euros à une augmentation de capital, 4 milliards d'euros au total, qui sera mise en place tout début 2017.
Je voudrais souligner que c'est la première fois depuis longtemps, peut-être même depuis la création d'EDF en 1946, c'est la première fois que le contribuable vient sortir l'entreprise nationale d'une situation créée par une mauvaise loi. Car il faut rappeler que le parc de production d'EDF, ainsi que les réseaux d'Enedis et de RTE, ont été intégralement financés par l'entreprise, et donc de fait par ses clients, mais pas par les contribuables, donc pas par l'État. Il est vrai que l'établissement public EDF, jusqu'au début des années 2000, bénéficiait de la garantie de l'État et empruntait à moindre coût. C'était avant la mise en œuvre des directives européennes d'ouverture des marchés de l'énergie. Mais enfin, je le dis, c'est la première fois, et c'est 5 ans après l'instauration de l'AREN, que le contribuable vient secourir EDF. La troisième raison qui pénalise EDF au titre de l'AREN, c'est le simple fait que les concurrents d'EDF n'ont plus à se préoccuper d'investissements physiques en matière de production d'électricité. Je mets de côté les renouvelables qui font l'objet de prix garantis. Il suffit à ces opérateurs alternatifs d'acheter de l'électricité au guichet de l'AREN. Ils ne prennent aucun risque d'investisseur, aucun risque d'exploitant. Tous les risques sont portés par EDF. Des concurrents d'EDF, l'AREN fait des rentiers. Et quand ses concurrents se trompent sur leurs besoins, ça a été le cas en 2022, ils suspendent leurs offres commerciales, ils cessent de proposer leurs services, certains même déposent le bilan, et les risques sont à nouveau transférés sur EDF, une manœuvre qui, sur 2022 et 2023, aura coûté plusieurs milliards d'euros à EDF. Depuis plus de 10 ans, cette régulation de l'AREN, favorable aux fournisseurs alternatifs, ne les a donc pas incités à créer des capacités de production propres. L'AREN a donc été un frein au développement d'une capacité énergétique souveraine sur notre sol par les opérateurs alternatifs. Voici donc les 3 raisons qui font de la loi NOM et de l'AREN qui en est issue une cause profonde et durable de l'affaiblissement d'EDF. Bien sûr, un EDF affaibli n'est pas en mesure de développer sereinement son activité au bénéfice de la collectivité nationale. Au cours des 8 années durant lesquelles j'ai eu l'honneur de présider EDF, une bonne partie de l'énergie de la direction générale de l'entreprise a été absorbée par la nécessité absolue d'obtenir une réforme de la régulation qui pesait et pèse encore aujourd'hui lourdement sur l'entreprise. Je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté énergétique et du soutien aux investissements sur nos territoires sont enfin identifiées au niveau européen. Identifiées, pas résolues, mais identifiées, c'est déjà ça. Le deuxième thème que je voudrais aborder dans ce propos liminaire, c'est celui de la fixation des priorités en matière de mix électrique. De quoi parle-t-on ? On parle des besoins en électricité, des besoins pour le chauffage, la mobilité, l'industrie, pour satisfaire quel niveau de demande ? Quelle part dans la production doit-on viser pour les énergies nouvelles renouvelables ? Faut-il arrêter des moyens de production fossiles ? Faut-il en construire de nouveaux ? Faut-il arrêter des centrales nucléaires ? Faut-il en construire de nouvelles ? Peut-on augmenter significativement la production d'hydroélectricité ? Et dans quelles conditions ? Doit-on prévoir des moyens significatifs de stockage de l'électricité ? Quel rôle donner aux importations pour assurer la sécurité d'approvisionnement aux heures de pointe ? Voilà un ensemble de questions qui se posent et sur lesquelles je voudrais être très clair. Parce que lorsqu'on dirige EDF ou qu'on travaille au sein d'EDF, il n'est à aucun moment question de se soustraire à la volonté démocratique telle qu'elle s'exprime par des directives européennes, des lois françaises, des décrets ou toute autre réglementation. Bien évidemment, et comme toute partie prenante au système électrique, EDF partage ses analyses et tente de faire prévaloir son point de vue auprès des décideurs politiques et des régulateurs, à Paris comme à Bruxelles. Chaque fois que l'État ou le régulateur met des projets de cette nature en consultation, EDF produit et rend public une contribution détaillée, établie sur des bases rationnelles. Bien évidemment, EDF s'attend à ce que l'État respecte les lois et règlements qu'il a lui-même fait voter ou qu'il a établis. Et en tant que personne morale, EDF peut demander aux tribunaux de juger s'il y a préjudice du fait d'une application contestable et contestée des textes. Bien évidemment, avec les marges de manœuvre qui sont les siennes, la direction générale d'EDF tente de négocier les meilleures conditions d'application de ces textes,
afin de préserver l'intérêt social de l'entreprise et de ses actionnaires, notamment les actionnaires minoritaires. Mais qui pourrait croire un instant qu'EDF n'a d'autre boussole que l'application des obligations que lui crée le Code de l'énergie ? Cela est vrai en France, bien sûr, mais aussi dans tous les pays où EDF opère. De ce fait, EDF vit au rythme des décisions de politique énergétique et électrique qui sont prises par les gouvernements élus démocratiquement dans notre pays. Et EDF s'attache à répondre aux objectifs que lui fixe l'État dans son double rôle d'actionnaire et de régulateur. Il n'est pas difficile de s'interroger, on va sûrement y revenir, donc je le fais volontiers devant vous, sur la cohérence entre le temps long des projets industriels et le temps nettement plus court du calendrier électoral et souvent de l'alternance politique. À cet égard, je pense que l'exercice mené par RTE à l'occasion de la description des différents futurs énergétiques possibles à l'horizon 2050, je crois que cet exercice a marqué un tournant bienvenu dans la capacité de notre pays à se projeter dans le temps long, en partant d'une analyse rationnelle et communiquée aux acteurs. Mais cela ne veut pas dire que EDF a eu la même analyse ou la même appréciation que RTE sur tous les aspects du dossier. Pour tout acteur industriel, pour toute entreprise attachée à prendre des décisions rationnelles qui l'engagent à long terme, agir sur la base d'une décision politique elle-même fondée sur une approche technique et économique sérieuse, cela est indispensable. Et on sait que EDF, y compris dans la période récente, n'a pas toujours vécu dans cette situation. S'agissant du nucléaire qui, en France et dans bien d'autres pays, fait l'objet de polémiques depuis des décennies, on voit bien aujourd'hui les difficultés où nous a conduit cette nécessaire, cette indispensable subordination de l'entreprise aux décisions politiques. À mes yeux de citoyen, cette hiérarchie est et reste souhaitable, même si on voit bien les risques induits, les dépenses inutiles, les difficultés à motiver ou à embaucher les salariés dans la filière. À titre de conclusion, pour ce propos introductif, je voudrais plaider avec toute la conviction dont je suis capable, je voudrais plaider pour une vision stratégique cohérente et stable dans les décisions de politique énergétique et en conséquence dans les décisions sur le mix électrique et sur les meilleurs usages de l'électricité. La situation actuelle démontre une tension inattendue sur la sécurité d'approvisionnement, une tension inattendue sur les prix depuis de nombreux mois, et des retards, là on parle d'années, des retards peu explicables dans les engagements climatiques pris par notre pays. Et la contestation est générale. Qui ne conteste telle ou telle décision prise il y a 2 ans, prise il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans? À mes yeux, le moment est venu de la clarification des objectifs énergétiques que la collectivité nationale se donne sur le long terme et pas seulement sur une période de 5 ans. Cette clarification, je souhaiterais qu'elle soit basée sur les faits dans un domaine où fleurissent les fake news, qu'elle soit basée sur des objectifs programmatiques précis sur le long terme, car les infrastructures énergétiques ne se construisent pas sans une approche de long terme et sans ténacité. Or, nous avons aujourd'hui la chance de disposer pour la planète d'une feuille de route pour les 30 années qui viennent. C'est l'accord de Paris. Nous avons l'engagement de notre propre pays d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis, en toute modestie, nous avons aussi la raison d'être d'EDF, qui vise à concilier préservation de la planète, bien-être et développement. Et justement parce que nous sommes en crise aujourd'hui en France et en Europe, je crois que les conditions peuvent être remplies pour changer dès maintenant le mode de fonctionnement trop incertain de notre planification. Je formule le vœu que l'on puisse revenir au programme de long terme, ceux qui ont permis l'électrification dans les années 50, l'accompagnement des 30 glorieuses jusqu'aux années 70 et le choix stratégique du nucléaire, un choix constant des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Avec l'accélération qui avait été induite par la crise pétrolière de 1973. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces éléments de contexte. J'aurais plusieurs questions. Une première qui revient sur l'AREN.
que vous avez longuement développé. Pourquoi n'y a-t-il pas eu, de votre point de vue, de revalorisation de son prix, alors qu'il semblerait que cela était prévu initialement dans la loi NOM? Et quelle articulation au niveau européen s'est construite entre la discussion sur le prix de l'ARENH et la nature des concessions hydroélectriques? Je crois, Monsieur le Président, avoir un peu répondu à cette première question dans mon propos. Quand je suis arrivé, il y avait un consensus au sein du gouvernement pour porter près de la Commission européenne une demande d'augmentation de l'ARENH par palier de 2 euros, 42, 44, en montant à 52 euros. Ceci n'était pas lié de façon formelle à quelque avancée que ce soit en matière de concession hydroélectrique. C'était un dossier que l'administration, le gouvernement français justifiait de par la nature des coûts de notre parc nucléaire. Et EDF n'avait pas à prendre parti sur un quelconque compromis entre le dossier des concessions hydroélectriques et une augmentation du prix de l'ARENH. L'augmentation du prix de l'ARENH allait de soi. Simplement, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, elle ne s'est pas faite parce que le prix de gros sur le marché est descendu sous 42, puis sous 35, puis sous 30, et qu'à ce moment-là, la Commission a estimé qu'il était bien naturel de laisser le marché fonctionner, et que si le marché disait que l'électricité valait 28 ou 37, en tout cas sous les 42, il n'y avait pas matière à passer de 42 à 52 le volume de l'ARENH, puisque nos concurrents achetaient sur le marché, n'achetaient pas au volume de l'ARENH. Et donc la porte s'est fermée, s'est refermée sur ce dossier, je dirais, dans le courant de l'année 2016. Merci beaucoup. Dans nos précédentes auditions, on a auditionné les responsables successifs du CEA, et avec Monsieur Jacques, on a découvert la façon dont l'arbitrage sur l'abandon du programme Astrid du CEA s'est construite, et il prétend que l'abandon de ce programme s'est fait en concertation avec notamment EDF et Orano. Est-ce que vous pouvez confirmer ces propos? Inutile de vous dire qu'EDF est extrêmement attaché à ce que notre pays mette en place des solutions dites de régénérateurs, de manière à fermer le cycle et faire en sorte que la production de déchets soit nulle ou totalement minime, de déchets nucléaires. Et donc, il n'y a aucun doute que la maison que j'ai dirigée portait en elle la volonté de trouver des solutions technologiques, portait en elle le regret de la fermeture de Superphénix il y a maintenant 25 ans, et portait en elle le souhait de construire avec le CEA notamment, qui est en charge des technologies nucléaires avancées, de construire des solutions permettant de répondre à cette question. En revanche, il n'est pas faux de dire que les ingénieurs d'EDF avec lesquels je parlais estimaient qu'autant le programme Astrid était justifié dans sa dimension de recherche, de technologie, de développement de solutions idoines pour gérer peut-être mieux que ne l'avait fait Superphénix les difficultés techniques rencontrées avec notamment avec le sodium comme caloriporteur. Autant il y avait chez EDF, au temps où je le dirigeais et au temps où le programme Astrid était financé, un certain scepticisme quant à l'idée qu'on allait passer directement d'une démonstration technologique sur ce que pourrait être un nouveau réacteur à la construction immédiate de ce réacteur. Et donc il y avait deux volets dans le programme Astrid, tel que je l'ai perçu. Un volet technologique que EDF soutenait entièrement et un volet de démonstrateur de mémoire de 600 mégawatts, mais ma mémoire peut me tromper, hein, donc on peut me faire défaut, un démonstrateur directement connecté sur le réseau qui était peut-être une anticipation du fait qu'on allait trouver une solution, alors qu'il fallait peut-être d'abord démontrer que la solution existait. Et donc voilà la réponse que je peux vous faire. Maintenant, la décision d'arrêter le programme Astrid n'a pas été prise, à ma connaissance,
dans un cercle où EDF était présent. En tout cas, je n'étais pas personnellement présent. Je pense que cette décision n'a pas été prise en présence d'un quelconque représentant d'EDF en séance. Merci. Actuellement, le système français est confronté au défi du problème générique de la corrosion sous contrainte. Comment, au sein d'EDF, ce risque du problème générique sur le parc nucléaire était-il anticipé? Et comment ont été traitées les alertes successives de l'autorité de sûreté nucléaire quant à la disparition progressive des marges de production d'énergie pilotable à disposition qui risquait de mettre en arbitrage sécurité d'approvisionnement et sûreté d'exploitation nucléaire? Je vais d'abord peut-être répondre à la toute fin. Nous n'arbitrons pas la sécurité d'approvisionnement ou la sûreté nucléaire. Nous avons comme principe absolu de mettre en avant, avant tout, la sûreté nucléaire. Pour deux raisons. La première, c'est que le respect des règles de sûreté nucléaire nous semble intrinsèquement lié à la confiance qu'ont les Français dans cette énergie électronucléaire. Et la deuxième, c'est que nous ne sommes pas chargés de la sécurité d'approvisionnement. Donc nous ne pourrions pas faire un arbitrage entre quelque chose dont nous sommes directement responsables, le fonctionnement en toute sûreté de nos réacteurs, selon les prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire, quelque chose dont nous ne sommes pas responsables, qui est la sécurité d'approvisionnement, puisque nous sommes devenus depuis maintenant assez longtemps un opérateur, le plus important des opérateurs, mais seulement un opérateur. Et l'équilibre, comme vous le savez bien, est assuré. L'équilibre offre-demande est assuré par RTE. Maintenant, en ce qui concerne le problème rencontré sur la corrosion sous contrainte, vous l'avez dit, c'est le mot que vous avez employé, c'est un problème générique dont nous ignorons tout de l'ampleur au moment où il est découvert, et nous ignorons même, quelques semaines avant qu'il soit découvert, qu'on va avoir un problème générique. Et donc le problème naît sur le premier, puis assez rapidement sur quatre réacteurs de la catégorie dite N4, ceux qui sont à 1450 MW de puissance. Et puis, assez rapidement, on s'aperçoit qu'il y a des présomptions de corrosion sous contrainte sur des réacteurs de la catégorie 1300 MW. Et on va effectivement trouver de la corrosion sous contrainte sur certains de ces réacteurs. En revanche, on a assez rapidement, enfin quelques mois après, vu que les réacteurs à 900 MW, les premiers qui ont été construits, les plus anciens, sont à l'abri de ce sujet. Ce qui montre bien d'ailleurs que ce sujet n'est pas un problème de vieillissement, mais un problème de gestion technique, de pratique technique en matière de soudure sur les réacteurs de 1450 MW, qui sont les plus récents, qui rencontrent le problème, alors que les plus anciens, pour simplifier, ne le rencontrent pas ou pratiquement pas. Donc la question de la marge de manœuvre est évidemment une question tout à fait essentielle. Il est tout à fait exact que avec la fermeture de nombre de réacteurs utilisant des énergies fossiles, quand je suis arrivé chez EDF, il y avait encore des réacteurs fonctionnant au fioul, et puis il y avait davantage de centrales également au charbon. Les marges de manœuvre de ce qui est pilotable ont été réduites. Néanmoins, RTE, qui en est chargé, ne s'est pas inscrit contre la fermeture de ces centrales fossiles pilotable, ce qui fait que, oui, de toute évidence, quand le problème générique est arrivé, il est malheureusement arrivé fin 2021, et compte tenu de l'ampleur de ce problème générique, on s'est retrouvé avec une production fragilisée et une mise à risque de l'équilibre offre-demande. Bon, pour l'instant, on a bien vu que la demande est satisfaite par l'offre. Mais chacun sait qu'on est aujourd'hui dans un hiver plus difficile que les hivers précédents. C'est sous votre mandat que la centrale nucléaire de Fessenheim a été arrêtée. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots quant à la façon dont vous avez appréhendé Je me disais, Monsieur le Président, que le dossier méritait que je prépare une réponse circonstanciée, si vous le permettez. Voilà.
Donc, en effet, la fermeture définitive des deux réacteurs 900 MW de Fessenheim date du premier semestre 2020, ce qui correspond à la période où les deux réacteurs ont atteint les 40 années de fonctionnement. Je voudrais rappeler que dans les années qui précédaient leur fermeture, les deux réacteurs de Fessenheim étaient jugés par l'autorité de sûreté nucléaire comme appliquant de manière tout à fait conforme les règles de sûreté. Ils étaient jugés parmi les meilleurs du parc nucléaire français. L'arrêt des réacteurs fait manifestement suite à une campagne de dénigrement permanente et ancienne venant des organisations non gouvernementales antinucléaires, basées en France et surtout en Allemagne, et également un ensemble de décisions de politique énergétique que je voudrais résumer comme suit. Le, je cite, délégué interministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim, délégué ministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim, a été institué par un décret du 11 décembre 2012. Il est chargé, c'est le texte du décret que j'ai compulsé sur Internet, il est chargé de préparer et coordonner les opérations nécessaires à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 plafonne à 63,2 gigawatts la capacité de production nucléaire en France. Cette loi, en pratique, ne permet pas la mise en service de l'EPR de Flamanville sans la déconnexion définitive d'une capacité nucléaire équivalente, qui correspond à peu près à deux réacteurs de 900 mégawatts. Par décision du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel rappelle le droit d'EDF à indemnisation par l'État au titre du préjudice subi du fait de l'application du plafonnement. En application de ces lois et règlements, EDF exclut les deux réacteurs de Fessenheim du périmètre qui fait l'objet du projet dit VD4 900, ce qui veut dire visite décennale numéro 4, quatrième visite au moment des 40 ans, VD4 900 du programme Grand Carénage, ce programme ayant lui-même été autorisé par le conseil d'administration d'EDF sous mon initiative en janvier 2015. Au deuxième semestre 2015, la fermeture des deux réacteurs devient donc inéluctable. Il va de soi que le président-directeur général d'EDF, en tant que mandataire social de l'entreprise, aurait commis une faute de gestion si EDF avait poursuivi les travaux pour prolonger la durée de vie des réacteurs de Fessenheim en ignorant tant la loi de 2015 que le décret de 2012. Les négociations entre EDF et l'État sur le protocole d'indemnisation ont démarré en avril 2016. Elles ont été ralenties à cause notamment du retard pris par la construction du réacteur EPR de Flamanville, qui conduit à désynchroniser la fermeture de Fessenheim de la mise en service de Flamanville. Fessenheim va donc aller jusqu'à 40 ans. Pour formuler un avis indépendant sur le protocole, le conseil d'administration d'EDF s'organise sous la forme d'un groupe de travail ad hoc qui se réunit de très nombreuses fois. Le protocole est également amendé suite aux observations de la Commission européenne et à celles du comité ministériel des transactions au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Au fil des négociations et des observations, le conseil d'administration d'EDF a approuvé quatre délibérations relatives à ce protocole d'indemnisation. Protocole a été signé par la ministre de la Transition écologique et solidaire et par le président-directeur général d'EDF le 27 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, EDF a adressé la demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim, qui a fait l'objet du décret du 18 février 2020. Je voudrais également rappeler qu'un premier décret portant sur l'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim, daté du 8 avril 2017, avait été annulé par le Conseil d'État en octobre 2018. Voilà, Monsieur le Président. Et quelle appréciation portez-vous du coup sur cette fermeture? EDF a appliqué la loi. Merci. Dans votre mandat, vous avez également eu à porter l'avancement du projet d'Hinkley Point et notamment la construction de son financement, ce qui a valu la démission du trésorier, enfin du financier d'EDF. Quelles sont les raisons de ce désaccord au plus haut niveau d'EDF sur la stratégie à adopter pour financer
la construction des deux EPR d'Hinkley Point. Alors, autant vous dire, Monsieur le Président, qu'en effet, le directeur financier d'EDF a démissionné dans les semaines qui ont suivi la préparation de cette décision, mais qu'au plus haut niveau d'EDF, c'est le conseil d'administration d'EDF qui est souverain. Et le conseil d'administration d'EDF a voté en toute souveraineté la construction et le financement des deux réacteurs d'Hinkley Point. Certaines voix se sont élevées contre, mais une majorité claire d'administrateurs a voté en faveur de la construction des deux réacteurs d'Hinkley Point. Le dossier d'Hinkley Point avait une dimension industrielle et certainement aussi une dimension économique et puis également une dimension de financement. Peut-être l'industrie, puis l'économique, puis le financement. En ce qui concerne la dimension industrielle, il est apparu au président que j'étais qu'il était extrêmement important de consolider, à l'époque, je rappelle, c'est avant le Brexit, juste avant d'ailleurs le vote du Brexit, qui date de l'été 2016, et là nous sommes au mars-avril 2016. Il était important de consolider le soutien de la Grande-Bretagne, qui s'exprimait déjà depuis une bonne dizaine d'années à travers plusieurs gouvernements travaillistes et également plusieurs gouvernements conservateurs. Le soutien de la Grande-Bretagne au nucléaire, la France n'est pas isolée en Europe, mais elle n'est pas majoritaire en faveur du nucléaire. Et le soutien de la Grande-Bretagne, non seulement au nucléaire pour assurer la décarbonation, mais aussi à l'industrie française, puisque EDF est le seul exploitant de centrales nucléaires en France, en Grande-Bretagne, pas en France aussi, mais en Grande-Bretagne aussi, et que le gouvernement britannique a retenu la technologie française, la technologie de l'EPR, pour la construction de deux, et on espère bientôt d'ailleurs de quatre réacteurs EPR. Et donc la dimension industrielle est très importante. C'est un soutien britannique, un grand pays, un pays de haute technologie, à une technologie française. C'est aussi évidemment un signal important qui est donné à tous les pays dans le monde qui s'interrogent sur l'EPR, et Flamanville est déjà en retard, et qui voit qu'un pays totalement indépendant prend une décision en faveur de l'EPR, alors qu'il y est, on le sait, extrêmement critiqué sur notre propre territoire. Et donc sur le plan industriel, j'ajoute que c'est un plan de charge important pour les usines françaises, à la fois les bureaux d'études dans lesquels il y a des milliers d'ingénieurs qui vont travailler et qui travaillent encore aujourd'hui sur Hinkley Point, et puis sur les usines dans lesquelles de très nombreuses fabrications, chez Framatome, chez GE à Belfort, mais aussi chez bien d'autres sous-traitants de rang 2 ou de rang 3. Et donc ça va alimenter des usines de fabrication qui, si vous me permettez l'expression, n'ont pas beaucoup de plans de charge, compte tenu que Flamanville est là, mais qu'il n'y a rien derrière Flamanville, hein, si vous me permettez l'expression. Donc sur le plan industriel, il me semble que le dossier fait vraiment consensus. Sur le plan économique, mon prédécesseur a négocié un mode de financement avec ce qu'on appelle un contrat pour différence qui permet d'assurer, dans la plupart des cas, une belle rentabilité à l'investisseur que vont être le partenaire chinois qui s'appelle CGN, qui est toujours présent, bien sûr, au capital de la société qui construit et qui exploitera les deux réacteurs, et puis à EDF. Le contrat pour différence est à un prix qui est un peu critiqué en Grande-Bretagne par la Cour des comptes, en disant que c'est quand même un peu généreux, mais qui donc, vu de France, finalement, n'est pas si mauvais. Et puis c'est un prix, on parlait de la reine tout à l'heure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un prix qui est indexé sur l'inflation. Et donc aujourd'hui, nous avons largement construit Hinkley Point avec des livres et des euros des années précédentes. Il n'est pas terminé, mais on en est à, mettons, 60%. On va bénéficier des 10% d'inflation qu'on vit aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et donc la rentabilité économique de Hinkley Point, elle est un petit peu érodée par les retards que nous avons rencontrés, qui ne sont pas considérables, mais elle reste d'excellente facture. Donc sur le plan industriel, pour moi, c'est une évidence qu'il faut le faire. Sur le plan économique, à l'époque et encore aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est une affaire qui a atteint un niveau de rentabilité tout à fait convenable. Ensuite, il y a la question du financement. Et en effet, la question du financement est délicate, puisque quand je suis arrivé, on m'a dit qu'on cherchait un financement permettant de déconsolider Hinkley Point, c'est-à-dire de faire porter le financement en capital par un ensemble d'investisseurs dont EDF ne serait qu'une part minoritaire, et puis par un ensemble
de prêteurs qui permettraient, sur la base du contrat pour différence, d'assurer l'économie complète du projet. Il ne m'a fallu que quelques semaines pour m'apercevoir que ce qui m'était présenté par l'équipe précédente, et permettez-moi de dire que le directeur financier qui est parti en faisait partie de cette équipe, que celle-ci n'était pas fondée sur de véritables engagements de quelques parties capital que ce soit en dehors du partenaire chinois. C'est d'ailleurs moi-même qui ai négocié le chiffre de 33%, 33,5%, qui est aujourd'hui la contribution du partenaire chinois. Et donc le projet qui fait beaucoup de sens sur le plan industriel et sur le plan économique rencontre des difficultés de financement puisque le principe même du financement d'Hinkley Point qui m'a été présenté lorsque j'arrive fin 2014, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, je m'aperçois qu'il est irréaliste et qu'il ne pourra pas se produire. Et la question se pose à ce moment-là, bien sûr, avec l'État en tant qu'actionnaire. Doit-on assurer le financement au sein d'EDF ou bien abandonne-t-on le projet ? Et il est clair que pour les deux tiers de ce financement, EDF va porter un endettement qui est assez important pendant de nombreuses années en attendant les recettes qu'EDF va pouvoir trouver lorsque les réacteurs seront mis en service. Le débat avec l'État a lieu. Il a lieu avec l'Agence des participations de l'État. Il a lieu avec les responsables ministériels concernés. Et la conclusion de ce débat, c'est que l'État souhaite que le projet Hinkley Point se fasse et il va voter en faveur du projet Hinkley Point au sein du conseil d'administration. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas voté, vous imaginez bien que le projet ne se serait pas construit du tout. Et donc, je dirais rétrospectivement, je crois que c'est une décision qui était tout à fait indispensable. Elle a été soutenue par l'État sur le point difficile qui était le point du financement. Elle a donné à l'industrie nucléaire française, EDF, Framatome, GE et bien d'autres, un plan de charge bienvenu. Elle donnera d'ailleurs aussi demain à Orano du travail. Et puis sur le plan économique, c'était une affaire tout à fait convenable et ça allait rester. Donc, si je puis dire, je persiste et signe qu'il fallait prendre cette décision qui a été prise en toute connaissance de cause au sein du conseil d'administration d'EDF. J'ai une toute dernière question avant de passer la parole au rapporteur. Vous disiez dans votre propos introductif ne pas forcément toujours avoir la même analyse que RTE sur les scénarios, sur les projections. Quels sont ces points de différence ? Je vais m'attarder sur un point qui est le plus important, qui n'est pas le seul, mais qui est le plus important, qui s'agit sur le plan prospectif des besoins en électricité, ce qu'on appelle la demande. RTE est chargé par le gouvernement, je le rappelais, de conduire une étude prospective servant à éclairer les décisions du gouvernement en matière d'électricité. Et à mes yeux, et c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, les scénarios de RTE prospectifs à l'horizon 2050 restent inspirés par une approche que j'estime un peu ancienne, qui découle notamment des conséquences de ce qu'on a observé depuis 20 ans, c'est-à-dire la désindustrialisation de notre pays, qui conduit à ce qu'il y a moins d'usines et donc moins d'électricité nécessaire dans les usines. Or, aujourd'hui, la priorité est donnée, d'une part, à la lutte contre le réchauffement climatique, qui passe par l'électricité décarbonée, pour se substituer dans bien des domaines à l'énergie fossile, et d'autre part, à la reconquête de notre souveraineté industrielle et énergétique. Ce que prévoit RTE sur les 30 prochaines années, c'est une croissance que je qualifie de modeste, de la consommation de l'électricité en volume, de l'ordre de 1% par an, un peu moins de 1% par an, dans le scénario central de RTE, alors que, je vais y revenir, nombreux sont les facteurs qui pourraient amener à considérer comme plus vraisemblable une croissance en volume de la consommation d'électricité en France, qui serait entre 1,5 et 2% par an, chaque année pendant 30 ans. Parmi ces facteurs, on peut citer la démographie, la population de notre pays s'accroît, on peut citer l'accroissement du nombre de logements à population constante, il y a de moins en moins de personnes par logement, on peut citer, j'en disais un mot tout à l'heure, la réindustrialisation et l'effort de contrôle de notre souveraineté énergétique, on peut citer la numérisation de la société, des mesures sectorielles très fortes, telles que l'arrêt de la vente de véhicules thermiques neufs pour les particuliers dès 2035. On peut citer les besoins en hydrogène décarboné, notamment dans l'industrie.
On peut citer la nouvelle réglementation thermique sur les logements qui, enfin, privilégie l'électricité décarbonée plutôt que le gaz, au moins pour les logements neufs. On peut citer, je vais m'arrêter là, la substitution de fours électriques à des fours au gaz naturel dans nombre de procédés industriels. Et ces importants facteurs de croissance de la demande en électricité pour les prochaines années vont certes être tempérés par des efforts de sobriété et d'efficacité énergétique. Mais le rapport de RTE dans ce domaine, ô combien important, de la sobriété et de l'efficacité énergétique, sera portable sur des résultats nettement meilleurs chaque année d'ici à 2050 que tout ce qui a été observé en France ou dans des pays comparables depuis 30 ans. Il me semble donc qu'une stratégie énergétique nationale se basant sur une fourchette de consommation domestique annuelle d'électricité de 750 à 800 TWh en 2050 ferait courir nettement moins de risques à notre pays que le point moyen de 645 TWh qui a été retenu en fin 2021 et, 2020, et début 2022. Voilà la réponse que je voulais donner à votre question, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Et alors, par contre, il faudra couper votre micro. Le rapporteur ne peut pas parler en même temps que vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lévy, pour ces premières réponses, également pour les réponses que vous nous avez communiquées en amont de cet entretien. Première question très simple. En tant qu'ancien président d'EDF, est-ce que vous êtes surpris par la situation énergétique actuelle ? On est toujours surpris quand la crise arrive. On est en situation de crise énergétique. Bien avant la guerre en Ukraine, le prix du gaz a commencé à monter en flèche. La plupart des observateurs considèrent que c'est une question d'équilibre entre l'offre et la demande liée au rebond très fort à l'époque de l'économie chinoise, qui a fait monter les prix du gaz, les prix du GNL de façon très importante. Et puis cela, bien sûr, a été amplifié par la guerre en Ukraine, et on a vu les prix du gaz et les prix de l'électricité augmenter de façon tout à fait considérable l'été dernier, et puis se repositionner depuis quelques semaines à des niveaux qui restent nettement plus élevés que les niveaux qui avaient été rencontrés ces années précédentes. Donc on est toujours surpris quand la crise arrive, parce que qui ne peut pas être surpris du rebond de l'économie chinoise après le ralentissement du Covid, qui d'ailleurs ne peut pas être surpris par le Covid, qui ne peut pas être surpris par l'invasion de l'Ukraine, etc., etc. Ce qui me paraît important, au-delà de la surprise, c'est de souligner l'impréparation dans laquelle est l'Europe. Parce que l'Europe a voulu compter essentiellement sur le marché pour réguler les marchés de l'énergie. Et on voit bien aujourd'hui que le marché est important, mais qu'il n'a pas réponse à tout, et que cette impréparation se traduit. Alors c'est vrai en France un peu plus du fait de la corrosion sous contrainte sur les réacteurs nucléaires, mais c'est vrai dans nombre de pays d'Europe, se traduit aujourd'hui par une très grande fragilité des systèmes énergétiques. On le voit en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz, et on le voit aussi en ce qui concerne l'électricité. Il n'y a pas que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Belgique, les Pays-Bas. Bien d'autres pays se préoccupent aujourd'hui de l'équilibre offre-demande en matière d'électricité. Donc oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le problème est un peu plus aigu en France sur l'électricité du fait de la corrosion sous contrainte des réacteurs nucléaires. Mais il est quand même d'une grande acuité sur l'électricité chez nombre de nos voisins. Et puis il est extrêmement aigu aussi sur le gaz. Merci. Vous arrivez à la tête d'EDF fin 2014. On peut imaginer que vous avez un entretien au moins de courtoisie, peut-être même d'orientation générale avec les membres du gouvernement, peut-être la ministre ou le ministre en charge de l'énergie. Est-ce que c'est le cas ? La manière dont a été conduit mon passage de Thales à EDF a été extrêmement rapide. Je n'ai eu que quelques heures pour donner une réponse. Elle a été positive. Il ne s'est passé qu'une poignée de jours avant que l'information soit rendue publique. Et j'étais en voyage, en déplacement pour Thales dans des pays asiatiques. Et donc, premier contact que j'ai eu avec les membres du gouvernement quant à ce qui était attendu du président d'EDF ont fait l'objet d'une réunion collective à laquelle la ministre participait.
Et quelles orientations générales vous a-t-elle partagées, la ministre? La réunion collective à laquelle j'ai participé m'a permis de mesurer l'ampleur des sujets que je ne connaissais qu'en tant que lecteur de la presse ou attentif à ce qui se passe sur les grandes orientations de mon pays. L'ampleur du sujet m'a conduit à demander à ce qu'une lettre de mission me soit adressée. Alors, le temps que tout ça soit mis en route, elle m'a été donc adressée début 2015. Elle est cosignée des trois ministres ayant à ce moment-là la tutelle d'EDF, donc la ministre, Madame Royal, mais aussi les deux ministres de Bercy qui partagent la tutelle d'EDF à ce moment-là dans l'organisation gouvernementale. Et au-delà de la lettre, quel était l'esprit de cette lettre de mission, en particulier les orientations eu égard à notre parc nucléaire? L'esprit de la lettre de mission. D'abord, j'ai partagé cette lettre de mission avec le conseil d'administration d'EDF et avec mon comité exécutif. J'ai estimé que c'était un point de départ important. Donc, la lettre rappelle la nécessité d'assurer les grands objectifs du service public qu'est EDF. En matière de nucléaire, elle rappelle que la loi qui n'est pas votée encore à l'époque, hein, puisqu'elle est définitivement promulguée en août 2015, c'est-à-dire 8-9 mois après mon arrivée, il faudrait faire le décompte exact, que cette loi qui est en train d'être votée prévoit la baisse à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2050 et également la fermeture de Fessenheim. Cette lettre de mission qu'il faudrait que je relise, mais je pense qu'elle elle me demande aussi de préparer la prochaine génération d'EPR au-delà de Flamanville. Elle inclut la nécessité pour EDF de préparer le renouvellement du parc nucléaire. Merci. Vous dites avec une modestie qui vous honore que vous n'êtes pas un spécialiste du secteur quand vous arrivez, mais j'imagine que vous échangez avec vos équipes et avec les techniciens. Quelle est l'heure et du coup, quelle est votre intime conviction sur cette nouvelle direction donnée à notre politique nucléaire? En l'occurrence, d'abord l'objectif de 50% et puis quelques mois et années après qui se décline sous la forme de fermeture de réacteurs. Si j'ai accepté de prendre la direction d'une entreprise publique comme EDF, que j'avais connue de loin lorsque je travaillais moi-même au sein d'un ministère de l'industrie qui, d'ailleurs, à l'époque, incluait les grandes entreprises énergétiques, qui étaient même des établissements publics à l'époque, c'est bien que je sais que le président d'EDF se doit d'appliquer les lois et les règlements. Je l'ai rappelé dans mon propos introductif. Donc, je n'ai pas d'opinion personnelle à avoir, ou alors je ne prends pas le poste si j'estime que la politique qui est menée ne me correspond pas du tout. Mais j'estime que s'il m'est proposé une telle responsabilité pour mon pays, il est de mon devoir d'accepter, quoi que je pense de telle ou telle mesure que le gouvernement est amené à préparer. Je rappelle qu'à l'époque, la loi n'est pas votée. Donc vous n'étiez pas en contradiction suffisamment importante avec ces objectifs pour refuser le poste et les responsabilités que ça implique. C'est exact. Vous remercie. Quand vous arrivez à la tête d'EDF, quel est l'état de la filière nucléaire et quel est l'état des compétences au sein d'EDF? Je vous pose cette question parce qu'on a eu l'honneur d'interroger vos prédécesseurs, qui nous ont décrit finalement une situation initiale pas mauvaise en arrivant à leur responsabilité et pas mauvaise non plus, y compris en termes de compétences, sauf pour quelques hauts responsables, à leur sortie. Et donc j'ai bien peur qu'on arrive à notre époque sans avoir pu identifier de difficultés en matière de compétences dans la filière nucléaire et dans EDF, alors que pourtant tout un chacun convient aujourd'hui d'un problème de compétences. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair? Je crois que il y a deux natures de compétences très différentes. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y répondre lors de la question numéro 11 que vous m'aviez posée, monsieur le rapporteur. Et je suppose que tout ça sera rendu public ou est déjà public. Les questions écrites que j'ai rédigées sera. En tout cas, moi, je souhaite que ça soit rendu public et je ne l'ai pas fait. D'accord. En tout cas, les réponses que j'ai préparées, moi, je n'ai aucune raison de les cacher. Je pense que. Voilà, et donc je voudrais bien dire qu'il y a deux sujets très différents. Les compétences pour garder le parc en état, de façon à ce qu'il puisse fonctionner correctement et répondre aux prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire, qui sont d'ailleurs renforcées après l'accident de Fukushima,
et qui sont également mises à jour avec la perspective de dépasser les 40 ans de durée de vie. Donc des compétences qui sont liées au parc, et puis des compétences qui sont liées à la construction de nouvelles centrales. Je n'ai aucun doute qu'EDF a les compétences, avait, a, et j'espère bien aura, les compétences pour gérer son parc et pour assurer, en les réussissant, les prescriptions, pour répondre aux prescriptions que lui demande l'autorité de sûreté nucléaire. Et c'est bien le cas. Je crois qu'il n'y a pas de doute que nous avons les compétences pour gérer le parc. Pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, nous avons répondu, alors à tel ou tel endroit, on était un peu en avance, puis à tel ou tel endroit, on était un peu en retard. Nous avons répondu à l'ensemble de ce que l'autorité de sûreté nous a demandé de faire à la suite de l'accident de Fukushima. Et nous avons répondu à l'ensemble de ce que l'autorité de sûreté nous a demandé de faire pour aller au-delà de 40 ans sur les réacteurs 900 mégawatts, puisqu'il doit y avoir 6, 7, 8 de ces réacteurs qui aujourd'hui ont été autorisés à redémarrer au-delà de ces 40 ans. Pas de doute là-dessus. En ce qui concerne le niveau de ses compétences. En revanche, en ce qui concerne le volume des compétences, on le voit au moment de la corrosion sous contrainte, lorsqu'il y a un problème générique qui traite d'un grand nombre de qui touche un grand nombre de réacteurs, nous sommes limités par le volume de personnes qualifiées que nous avons. Sur la corrosion sous contrainte, on me dit que nous avons environ 100 soudeurs qualifiés qui vont, et vous le savez, dans des conditions de dosimétrie, de radioactivité, qui sont difficiles, qui vont réparer les réacteurs. Et d'ailleurs, en tout cas, au moment où je suis parti il y a 3 semaines, certains des réacteurs, les réparations étaient terminées. Les réparations étaient faites, elles étaient terminées, et ces réacteurs redémarraient ou allaient redémarrer pour suite aux arrêts de tranche qui les concernaient. Mais sur la maintenance du parc, avec 100 soudeurs, eh bien, on ne fait pas autant que 200. Et les équipes que j'ai interrogées m'ont dit qu'on aurait pu aller plus vite pour réparer le parc si on avait eu plutôt 200 soudeurs que 100. Et comme on ne les avait pas, eh bien, pour parer au plus pressé, on a fait venir des soudeurs de l'étranger qui n'avaient pas nécessairement exactement les mêmes gestes, les mêmes qualifications. Mais enfin, au moins, ils étaient là et on n'attend pas un an. Parce que les soudeurs français ne peuvent pas revenir sur un chantier moins d'un an après avoir travaillé, compte tenu de la dosimétrie. Donc on a paré au plus pressé. Mais il est évident que si on avait été en train de construire des nouvelles centrales nucléaires, on aurait eu des dizaines de soudeurs sur des chantiers de construction neuve et qu'on leur aurait dit, bah, écoutez, vous, pendant 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, venez réparer au plus tôt le parc. Et puis votre chantier à Penly, à Gravelines, je ne sais, eh bien, il attendra 2 mois ou 3 mois, le temps que vous soyez détourné de votre chantier de construction pour aller sur un chantier de maintenance. Donc nous avons les compétences, mais nous n'avons pas assez de compétences. Il me semble avoir parlé d'un manque de bras dans un moment où je m'exprimais là-dessus. En ce qui concerne la compétence en matière de construction, je porte un jugement très différent de celui que je porte sur les compétences en matière de maintenance. Car nous avons construit le parc jusqu'en 2002. Les derniers réacteurs ont été mis en service en 2002. Puis a été décidé l'unique exemplaire en France de Flamanville, dont la construction a démarré vers 2007-2008 au niveau du génie civil, mais qui correspond à peu près une quinzaine d'années après que le génie civil était fait à Chaux et à Civaux. Et donc les différents corps de métier qui construisent, bien, ils s'étagent sur une dizaine d'années. On aimerait que ça soit un peu plus rapide, 8 à 10 ans. Et donc il s'est passé une quinzaine d'années entre le moment où tel ou tel corps de métier était sur les chantiers de Chaux et de Civaux et le moment où tel ou tel corps de métier était uniquement sur Flamanville. Et puis à nouveau, après Flamanville, pas de nouvelles constructions immédiates, pas de nouvelles constructions au bout de 5 ans, pas de nouvelles constructions au bout de 10 ans, et maintenant ça fait 15 ans. Et donc, quelles sont aujourd'hui nos compétences en matière de construction, sachant que Flamanville, il est terminé, il y a des réparations à faire, mais le chantier, il est terminé. Si on va sur place, tout a été nettoyé, tous les systèmes sont prêts, il y a juste à terminer quelques réparations, principalement des défauts, des soudures défectueuses. Quel est aujourd'hui l'état de notre capacité à nous en France de construction,
sachant qu'il se passe à peu près 15 ans entre la fin de la construction du parc actuel et le démarrage d'un seul réacteur à Flamanville, et puis qu'il va se passer à nouveau une quinzaine d'années avant, je l'espère, que soient prises des décisions définitives de construction, même plutôt, et peut-être pas loin de 20 ans, des décisions définitives de construction de nouveaux réacteurs, eh bien ceci est une préoccupation qui est très expliquée dans le rapport de Jean-Martin Folz, qui est public, une trentaine de pages, rapport qui date de fin 2019, qui a été rendu public à cette époque-là, et qui explique la nécessité bien de remettre en marche une filière au niveau des métiers de la construction, qui est notoirement insuffisante au moment où le rapport est produit en 2019. Dans la foulée du rapport, pardon pour ma réponse qui est un peu longue, monsieur le rapporteur, mais ce sont des points évidemment fondamentaux. Dans la foulée du rapport Folz, je crée une nouvelle direction qui m'est directement rattachée au sein d'EDF, qui lance, je fais venir un expert industriel qui vient du monde de l'automobile, beaucoup de technologies, mais aussi beaucoup de grands programmes, avec la volonté de sortir la voiture au bon moment, et pas un an après les concurrents. Évidemment, une très grande discipline dans la gestion des grands projets. Et ce directeur qui me rapporte, qui s'appelle Alain Tranzer, lance un plan qui s'appelle le plan Excel, qui vise à améliorer le niveau de compétences et la qualité d'exécution des nouveaux chantiers, peut-être aussi des chantiers sur le parc actuel, mais principalement des nouveaux chantiers. Et donc le plan Excel est un grand programme de remontée des niveaux de compétences et des volumes de compétences et du niveau de qualité, qui est mis en place au sein d'EDF, mais en associant très largement les entreprises du secteur, regroupées au sein du GIFEN. Et pour être tout à fait transparent, ce plan Excel fait l'objet d'une présentation annuelle au conseil d'administration d'EDF et dans la foulée d'une conférence de presse, de façon à ce que l'ensemble du public soit informé des objectifs et des avancements du plan Excel. Je vous remercie. Je comprends donc que le diagnostic que vous faites, vous ne le faites pas seulement, j'imagine, depuis quelques semaines, mais depuis de longues années au sein d'EDF, que c'est pour ça que vous avez mis en place ces programmes-là, et donc, à nouveau, sans chercher de responsabilité polémique, que c'est bien une situation dont vous avez hérité à votre arrivée au sein d'EDF pour les différentes raisons structurantes que vous avez pu expliquer. Je vous laisse me couper si vous n'êtes pas d'accord, mais si vous êtes d'accord, je continue. Pardon, je crois qu'il est clair que on ne peut pas dire qu'on est compétent et efficace quand on construit un réacteur tous les 15 ans. Ce n'est pas possible. Donc on s'est interrompu, ensuite on a lancé Flamanville pour des raisons que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Après Flamanville, on n'a pas continué avec d'autres réacteurs, alors que c'était vraiment à l'ordre du jour, mais ça s'est interrompu. La crise financière, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Je n'étais pas du tout aux responsabilités à ce moment-là. Et bien aujourd'hui, il s'agit de redémarrer un programme d'ampleur, puisque dans le discours de Belfort, le président de la République a parlé de 6 et même peut-être de 14 réacteurs. Et donc, il faut qu'on soit prêt. C'est ce que le président de l'autorité de sûreté nucléaire a appelé le besoin d'un plan Marshall. Et moi, je fais volontiers mien ses propres paroles. Et donc, on s'y prépare. Et on sait qu'il y a devant nous un énorme chantier, un énorme travail à faire pour acquérir la crédibilité répondre aux besoins de ce programme. Je vous remercie. D'ailleurs, sur le plan des compétences, au-delà même des compétences techniques, vous décrivez votre surprise en ce qui concerne le chantier de l'EPR à votre arrivée. Vous décrivez des principes de gestion de projet communs aux autres projets industriels qui n'ont visiblement pas cours chez EDF. Vous décrivez la dilution des responsabilités, la faiblesse des interactions entre EDF et Areva, l'absence de direction exécutive dédiée à l'ingénierie du projet. Bref, votre description sur la capacité à gérer un tel projet par EDF dépasse largement la question des compétences techniques, si je comprends bien. Sauf si vous voulez réagir sur ce point. Vous avez raison, et là aussi j'ai rédigé le texte que vous lisez, la réponse à l'une de vos questions, et je pense en effet qu'en matière de gestion de projet, que de direction de programme, Flamanville n'était pas piloté comme il aurait dû l'être. J'ai essayé de résoudre ce sujet dans les semaines, les mois qui ont suivi mon arrivée, en réorganisant ça selon les principes de gestion de grands projets industriels que j'avais appris dans d'autres secteurs.
Mais vous conviendrez, surtout eu égard à l'expérience que vous aviez déjà dans d'autres secteurs industriels, que pour un projet de cette ampleur et de cette importance pour EDF, il était étonnant que le plus haut niveau de direction au sein d'EDF ne se soit pas saisi du sujet pleinement comme vous l'avez fait, semble-t-il, à votre arrivée. J'en conviens bien, oui. Je vous remercie. Une question sur la filière nucléaire, cette fois sur l'état d'Areva. Et les différentes décisions qui ont été prises jusqu'aux cessions des activités de fabrication de réacteurs nucléaires, sans vous demander de faire l'historique, je cherche à comprendre deux choses. La première chose, c'est l'implication ou non des pouvoirs publics, indirects, sous forme d'arbitrage, de recommandations et bien sûr en tant qu'État actionnaire. Comment est-ce que vous jugez la stratégie de l'État actionnaire dans cette évolution qui a conduit jusqu'à la cession à EDF d'une partie de la filiale correspondante à la fabrication des réacteurs nucléaires. Est-ce que vous jugez comme d'autres que c'est davantage les décisions individuelles prises au sein d'Areva qui ont conduit aux échecs qu'on connaît? Je ne suis pas capable de répondre à cette question puisque ces décisions ont été prises plusieurs années avant mon arrivée. Ce que je peux vous dire, peut-être pour éclairer un petit peu l'histoire sans tomber dans l'anecdote, c'est que dans cette première réunion collective au retour d'Asie, où je prends connaissance de ce que l'État me demande de faire sur EDF, évidemment, le sujet de la mauvaise santé d'Areva est abordé et le fait qu'il va falloir trouver une solution pour remettre les choses d'équerre. Donc là, on est en octobre 2014, octobre-novembre 2014. Cette solution, elle est préparée de concert par la nouvelle présidence d'Areva et la nouvelle présidence d'EDF sous l'autorité du gouvernement. Et elle fait, si je ne m'abuse, l'objet d'un communiqué de presse de l'Élysée le 3 juin 2015, qui explique comment tout cela a évolué, va évoluer. Ensuite, il s'agit de bien exécuter cette décision stratégique qui conduit, en fait, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais à donner à EDF le rôle d'unique chef de file de la construction de réacteurs nucléaires, de faire de Framatome, qui correspond à l'ancien Areva NP et qui retrouve le nom du Framatome des années 60, 70, 80 et 90, de faire de Framatome le responsable de la chaudière et le responsable d'un grand nombre des équipements qui sont installés dans cette chaudière, et puis de faire d'Orano, ce qu'a été Cogéma également pendant une trentaine d'années. Et je crois que cette décision de principe est bonne. En tout cas, à l'époque, je l'ai fortement soutenue. J'avais plutôt plaisir jusqu'au 23 novembre à voir les résultats opérationnels de Framatome revenus dans une situation profitable, une situation de croissance, une situation d'attractivité pour des ingénieurs et des salariés en général, de reconstituer d'ailleurs un bloc industriel en élargissant un petit peu les compétences de Framatome sans s'interdire de procéder à des acquisitions, et de voir d'un autre côté Orano conduire avec efficacité les contrats que EDF lui avait confiés. Donc je pense que cette restructuration de la filière qui devient très urgente fin 2014, qui est décidée dans son principe en juin 2015 et exécutée jusqu'à fin 2017. Il y a eu beaucoup de retard hein, sur le sujet à cause de la dimension finlandaise du dossier. Je crois que c'est une bonne décision de politique industrielle dont on bénéficie aujourd'hui. Mais alors, il y a quelque chose qui m'échappe. On est en train de construire sous la responsabilité d'EDF un nouvel EPR. On redonne un peu de vitalité à la filière avec ces réorganisations. Ça suffit pas à redonner une forme d'appétit ou d'attractivité pour la filière industrielle nucléaire en termes de compétences. C'est le seul fait qu'on ait lancé un seul EPR en 2005 qui fait que EDF, depuis des années, avant votre mandat et sous votre mandat, ne trouve pas ses fameux bras. EDF embauche les bras dont il a l'emploi. Il ne s'agit pas de savoir si on arrive à faire ou non venir des ingénieurs, des soudeurs dans la filière. Il s'agit de savoir quel travail leur donne-t-on à faire. Pour l'essentiel, le chantier de Flamanville est terminé vers 2017-2018. Depuis, nous ne faisons que réparer.
Et donc la quasi-totalité des besoins d'EDF, des bras dont nous avons besoin, ce sont des besoins pour la maintenance du parc. Et cela, nous l'assurons à ce qui est prévisible, pas l'imprévisible de la corrosion sous contrainte, mais à ce qui est prévisible. Et les chantiers du parc se déroulent de façon très programmée. Alors il y a des perturbations majeures qui vont naître de la Covid, ça c'est quelque chose d'imprévu dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Mais nous aurions eu plus de bras si nous avions eu des réacteurs à construire. Nous avons eu un réacteur à construire de ces 20 dernières années et il est terminé depuis 5 ans. Il s'agit de réparer, oui d'accord, on a besoin de les réparer, mais enfin les gens qui font les câblages, les gens qui font les systèmes de contrôle commande ou autres, ils ont fini leur travail et tout est terminé. Donc le volume de main-d'œuvre dont vous disposiez était suffisant pour maintenir le parc, sauf en ce moment, parce qu'il y a selon vous une conjonction d'événements qui explique le retard, mais pas pour construire de nouveaux réacteurs. C'est tout à fait cela. Merci beaucoup. Néanmoins, à de multiples reprises, et j'ai sous les yeux un avis de l'autorité de sûreté nucléaire de mai 2013, la question d'un défaut générique grave a été mentionnée comme une problématique pour la sécurité d'approvisionnement. Je cite simplement la conclusion d'une partie de l'avis. La SN rappelle l'importance de disposer de marges suffisantes dans le système électrique pour faire face à la nécessité de suspendre simultanément le fonctionnement de plusieurs réacteurs qui présenteraient un défaut générique grave. J'imagine que EDF, ne serait-ce que dans ses discussions de filière avec RTE pour préparer les scénarios de consommation de production, a évoqué cette question. Je comprends bien que la question technique de la corrosion sous contrainte de ce phénomène récent, inconnu et donc difficile à identifier pour toutes les raisons qui ont déjà été expliquées, ne soit pas telle qu'à identifier, mais quelles étaient les réflexions autour des défauts génériques graves ? Le propre du défaut générique grave, c'est que vous ne savez ni quand il va arriver, ni de quoi il va s'agir, ni quelle va en être l'ampleur. Et donc la question que vous posez, c'est une question d'assurance et de réassurance, c'est une question de marge de manœuvre. Et les travaux que EDF mène avec RTE pour établir des scénarios et des réponses à des scénarios de dégradation montrent que nous estimons avoir suffisamment de marge de manœuvre pour faire face aux 10 scénarios, des scénarios de stress. Est-ce qu'on a les marges de manœuvre pour faire face aux scénarios de stress ? Et d'ailleurs, les mois qui viennent vont nous dire si nous avons ou non les marges de manœuvre pour faire face aux scénarios de stress. Parce que pour l'instant, les Français ont de l'électricité. Je vous remercie. Deux dernières questions. Une sur les énergies renouvelables. À votre arrivée à la tête d'EDF, vous montez la stratégie CAP 2030 qui prévoit de passer de 28 gigawatts de puissance installée à 50 gigawatts en 2030, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui préside à ce choix, à ce 50 gigawatts ? On a un problème avec les 50 aujourd'hui. Et comment évolue l'objectif au fur et à mesure de votre mandat ? Le sujet des énergies renouvelables est un sujet qui est délicat en France. Il est délicat parce que certains voudraient faire croire qu'on peut vivre dans un système avec 100% d'énergie renouvelable. Et le surinvestissement qui correspondrait à un tel système est passé sous silence. Rien n'est impossible. Mais s'il s'agit de surinvestir pour pouvoir démontrer quelque chose et d'oublier l'aspect économique, je crois qu'il faut le dire. Chacun voit que l'hiver, il fait froid, donc on a besoin d'électricité, mais malheureusement, souvent, il y a très très peu de vent. Et donc s'il faut surinvestir pour assurer le service de l'électricité l'hiver, quand il y a très très peu de vent, alors qu'on va multiplier les installations, et pas de soleil, hein, bien sûr, on va multiplier les installations pour faire face à ce cas, on voit bien qu'on arrive à une impasse. Et donc, la question du quantum d'énergie renouvelable fait l'objet de débats un peu interminables. Nous avons essayé de vivre avec la loi, 50%.
plus l'hydro, 10%, Madame Bastistel le sait bien. Donc ça fait à peu près 60%, à peu près 60% d'énergie pilotable. Et à quoi ressemble un système électrique français avec 50% de nucléaire, c'est la loi. 10%, on constate, c'est l'hydroélectricité. On aimerait bien faire mieux, mais on ne peut pas. On va peut-être y revenir plus tard. Et puis, 35% peut-être d'énergie renouvelable. Et on a vu que ça conduisait à des besoins en énergie renouvelable qui sont tout à fait considérables. Et les travaux de planification qu'on a fait en interne au premier semestre 2015, peu de temps après mon arrivée, de façon à ce que EDF dispose d'une vision stratégique à l'horizon 2030, 15 ans plus tard, qui soit complète, qui soit exhaustive. Parce que l'une de mes surprises aussi en arrivant chez EDF, c'est qu'il y a des optimisations, mais elles sont un peu locales. Il n'y a pas une vision globale de ce qu'est EDF en 2030. C'est pour ça que je lance Cap 2030. Et donc, ça nous conduit à nous dire, nous, on aimerait bien, dans le cadre de cette planification énergétique qui relève du gouvernement, qui relève de la loi en train d'être votée, on aimerait bien arriver à 50 gigawatts. Ça nous semble un bon exercice, sachant qu'en 2030, on voit bien que l'hydroélectrique va rester à peu près comme il est, ou il augmentera pas beaucoup, et que donc le solde viendra d'éolien et de solaire. Le problème des énergies renouvelables, c'est comment on gère le système électrique, mais c'est aussi comment on les finance. Alors, le système électrique, c'est RTE, mais EDF joue évidemment un rôle important. On s'inquiète quand même d'une nouvelle dépendance. Aujourd'hui, éolien et le solaire, ça représente 7 ou 8% hein, de la production. Si demain, ça doit représenter 30 ou 40% de la production, on va créer une nouvelle dépendance, comme celle dont on voit le danger avec le gaz russe, vis-à-vis d'importations qui viennent de Chine, de cellules solaires et de moteurs, de turbines d'éoliennes. Donc je pense qu'il faut se poser la question. Et en plus, on sent la Commission européenne, l'Union européenne, le Parlement européen totalement ne portant aucun intérêt à ce sujet de la création d'une nouvelle dépendance. D'ailleurs, une de mes surprises aussi, il y en a eu tellement pendant mes 8 ans, c'est qu'un jour, il a été décidé au niveau de l'Europe que les taxes qui étaient mises sur les cellules solaires en provenance de Chine, pour essayer quand même de donner un petit avantage compétitif à ceux qui essayent de produire en Europe, ces taxes d'un jour ou l'autre ont disparu. Donc il faut que la doctrine européenne évolue, il me semble, là-dessus, mais peut-être ça va être le cas avec le mécanisme aux frontières qui est en train d'être finalisé. Alors ensuite, le financement du passage de 28 à 50 gigawatts repose sur un certain nombre d'hypothèses. J'ai beaucoup parlé de l'ARENH. Je n'ai pas eu les moyens économiques, les moyens financiers de passer sur un rythme, le rythme que j'aurais voulu. Et néanmoins, on a rattrapé une grande partie de notre retard en matière d'énergie renouvelable. On l'a rattrapé avec un gros effort, le plan solaire notamment, un effort aussi de conviction des populations concernées, qui est un sujet difficile, dont certains de vos collègues s'occupent peut-être en ce moment même, comment accélérer les renouvelables en France. Mais fondamentalement, si on n'est pas tout à fait sur le rythme de 50 gigawatts, c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens financiers de le faire. Et néanmoins, on a presque rattrapé notre principal concurrent en matière de volume d'électricité renouvelable produite en France, hors hydraulique, hein, éolien plus solaire. On a rattrapé notre concurrent. Pas tout à fait, presque. Une dernière question pour ma part. Est-ce que, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, de la sécurité d'approvisionnement, de l'état du parc nucléaire, depuis 2015, vous avez émis, en privé, j'imagine, vu votre position, des alertes importantes au pouvoir public? Et si oui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou pas? Vous savez, la réponse n'est pas ni complètement positive, ni complètement négative. Je pense avoir eu l'occasion de m'exprimer auprès des autorités politiques de façon régulière. Et je pense avoir été largement entendu. Je pense avoir été également
un bon témoin de la manière dont l'entreprise, avec tout ce qu'elle entraîne derrière elle, les salariés, l'ensemble des entreprises qui travaillent pour le compte d'EDF et qui sont nombreuses, je pense que tout ceci a été respecté. J'ai été reconduit également en 2019, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et donc je dirais que d'une manière générale, le dialogue que j'ai pu avoir avec les autorités politiques était un dialogue qui était assez naturel et assez riche. Donc à part le point que vous avez régulièrement mentionné, évoqué de l'AREN, vous considérez que l'ensemble des alertes que vous avez menées sur la viabilité d'EDF, les projets importants à mener pour EDF ou pour notre sécurité d'approvisionnement ont été entendus? EDF a eu les moyens que l'État lui a donnés de résoudre cette équation financière tellement délicate créée par l'AREN. L'État a essayé de faire évoluer l'AREN dans le cadre du projet dit Hercule, qui fait lui aussi couler beaucoup d'encre, qui a été porté par le gouvernement auprès de la Commission en essayant de résoudre le problème de l'AREN à l'intérieur d'une réforme plus importante dans les années 2019, 2020, 2021. La Commission européenne, la direction de la concurrence de la Commission européenne a mis des obstacles tels à l'évolution que souhaitait simultanément, concomitamment, le gouvernement français et l'entreprise. Nous avions travaillé beaucoup ensemble. Évidemment, c'était au gouvernement de porter à la Commission le dossier. Donc ceci permettait de résoudre le problème de l'AREN. Mais quand il a fallu venir aider EDF à mettre en œuvre ses principales missions, l'État était présent. Je rappelle que l'État n'a pas pris, sauf à une petite exception près, n'a pas pris de dividendes en cash à EDF depuis 2015. Et qu'à trois reprises, l'État a participé à des opérations de marché en investisseur avisé, de façon à améliorer la structure du bilan d'EDF. C'était le cas en 2017, augmentation de capital de 4 milliards d'euros. C'était le cas à nouveau en 2022 avec une nouvelle augmentation de capital. Et dans l'intervalle, nous avions eu une émission d'obligations convertibles à laquelle l'État avait également souscrit de façon importante. Et donc, nos équilibres financiers étaient extrêmement tendus. Mais EDF a pu assurer l'essentiel de ses missions, même si, une nouvelle fois, je regrette que nous n'ayons pas eu plus de moyens pour nous développer dans des énergies renouvelables et être sur la bonne trajectoire des 50 gigawatts que j'avais visé dès 2015. Merci. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lévy, pour votre présence et pour les réponses que vous avez apportées. Pour le moment, j'ai plusieurs questions sur les enjeux extrêmement importants que vous avez couverts pendant de longues années. Tout d'abord, vous avez parlé très brièvement des barrages, de la filière hydroélectrique. Pour vous, quelles conséquences a eu le fait qu'il n'y ait pas eu d'arbitrage dans un sens ou dans l'autre sur la question de l'attribution définitive des concessions de barrages? Est-ce que ça a détérioré la capacité à investir, peut-être à faire des changements de technologie, notamment dans la capacité peut-être d'améliorer un peu les turbines et la productivité des centrales, d'investir dans des nouvelles steppes? Vous avez parlé vous-même d'ailleurs de l'accord de Paris. Donc est-ce que finalement la solution hydraulique, même avec une participation mesurée évidemment, il ne s'agit pas de promettre n'importe quoi, est-ce que ces 10 ans de perdu quand même n'ont pas entaché notre capacité à justement respecter l'accord de Paris avec une énergie à la fois rentabilisée, souveraine, stockable, elle-même source, à la fois stockable et source de stock, et capable d'être un stock en elle-même. Et voilà. Donc, est-ce que ça n'a pas dégradé la réalisation des objectifs et fait prendre un retard considérable? Ensuite, vous avez parlé du prix de production. Est-ce que vous-même vous pouvez estimer aujourd'hui le prix de production réel du parc que dirige EDF, et aussi prix de production du parc d'EDF et prix de production du parc français en général, une fois que vous avez intégré les tarifs de rachat normaux de l'éolien et du photovoltaïque? Est-ce que aussi EDF avait une estimation du prix de production réel si on sortait du marché européen, de la formation des prix, du market design
des prix européens. Est-ce que EDF avait une estimation qui traînait pour savoir combien ça coûterait réellement à la France si on revenait au prix moyen de production et non au coût marginal? Il y a une estimation qui traîne de plusieurs experts qui parlent, bon an mal an, depuis le début du crise du gaz, un prix moyen de production en intégrant les importations entre 80 et 120 euros le mégawattheure. Est-ce que ça vous paraît une échelle de prix acceptable, cohérente en tout cas? Aussi, le coût pour EDF de l'AREN, j'ai interrogé M. Proglio hier qui n'a pas pu répondre. Quel coût a représenté l'AREN sous votre mandat pour les finances d'EDF? Est-ce qu'il y a une estimation qui existe? Est-ce que c'est un chiffre qui est connu ou calculé? Ou est-ce que, comme nous l'a dit M. Proglio, c'est à la représentation nationale de s'inquiéter de ce que l'AREN a coûté pour EDF et donc pour le contribuable consommateur? Le président de la commission vous a interrogé sur l'accord la fermeture de Fessenheim. J'aimerais plus précisément vous interroger sur les conditions de l'accord financier qui a été trouvé avec le gouvernement. Hier, M. Proglio a clairement sous-entendu que cet accord ne représentait pas la valeur économique réelle de ce qu'aurait représenté l'exploitation de Fessenheim sur 10, et a fortiori 20 ans supplémentaires. De la même façon, quand vous avez quitté EDF, où en était précisément le démantèlement de Fessenheim? Est-ce que, oui ou non, il y a des étapes vraiment irréversibles qui ont été menées? Ou est-ce que, si on le souhaitait, alors dans un temps évidemment raisonnable ou pas d'ailleurs, que je laisse à votre appréciation, est-ce qu'il pourrait y avoir un moyen de relancer Fessenheim sur une façon ou d'une autre? Autre option, est-ce qu'on pourrait aussi relancer Fessenheim à vos yeux si on profitait en relançant Fessenheim de faire les travaux nécessaires à un prolongement jusqu'à 60 ans de ces deux réacteurs comme une démonstration de la capacité technologique de le faire en conditions réelles, puisqu'on a un exemple pour sauter finalement une échéance décennale. Vous avez parlé des rapports RTE, vous avez été critique des perspectives de consommation. Alors je me félicite de l'échelle de 750 à 800 TWh de consommation que vous avez donnée, puisque c'est l'échelle qu'a donnée le Rassemblement national aux dernières élections présidentielles, bien seul, bien isolé, sous les critiques et les ricanements généraux, puisque nous avions une échelle de 770 à 820 TWh pour 2050. Nous sommes les seuls à avoir fait cette échelle. Au-delà de la consommation, quelles sont vos analyses de la production, notamment ce que RTE appelle les paris technologiques? Est-ce que vous savez ce que veut dire RTE, puisque personne n'est capable de nous dire ce que cela signifie? Aussi, est-ce que vous considérez normal que RTE ait enterré le scénario de maintenir la production nucléaire à 70, voire supérieur, pourquoi pas 80%? Pourquoi ces scénarios ont été enterrés? Est-ce que vous estimez en tant que président d'EDF que le fait que RTE aille au bout de ces scénarios soit utile? À ce titre, le gouvernement et RTE nous a expliqué que c'était parce que la filière nucléaire nous avait dit que c'était impossible de maintenir une telle production d'ici 2050. Ce n'est pas ce qu'a dit l'ensemble des acteurs de la filière que j'ai rencontrés depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs visiblement pas non plus ce que vous auriez dit. Selon un article du Point, Madame Géraldine Wössner vous cite sur cette question justement que la filière aurait dit que c'était impossible de faire plus de réacteurs. Je vous cite, est-ce que vous confirmez cette citation? Je n'ai jamais dit cela, confié au Point, la mine sombre, le patron d'EDF Jean-Bernard Lévy, citation, dans un monde idéal, un monde où les gouvernements successifs garderaient la même politique et cesseraient de faire du stop and go, on pourrait construire un réacteur nucléaire par an entre 2035 et 2040, puis monter à 2 réacteurs par an, on saurait le faire, il faut planifier le bureau d'études, les besoins en génie civil, les lignes d'assemblage, tout est possible. Avancez, Jean-Bernard Lévy. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette analyse si cela ne vous dérange pas? Ensuite, sur quelques retours de chantier sur Hinkley Point, vous avez parlé du contrat qui a été fait et de la Cour des comptes britannique. Il me semble que la Cour des comptes britannique donne un élément très intéressant qui a été très rarement commenté, qui est des conséquences du coût du capital ou du... Enfin, c'est pas la formule, c'est en anglais, donc je ne sais plus là. Mais en gros, le prix de l'argent qui est prêté à l'opérateur pour construire EDF, et que si ce coût est proche de zéro ou même à 2%, le prix de l'électricité nucléaire de l'EPR s'effondre, et s'effondre de mémoire entre 20 et 40 euros ou livres, là pareil, je ne sais plus, le mégawattheure, enfin en tout cas bien loin du prix qui est indiqué. Donc pour les conditions de financement, je pense que ça peut intéresser la représentation nationale, pour le refinancement d'un nouveau plan nucléaire, ce serait très intéressant, effectivement, peut-être, d'élaborer un plan de financement qui va vers des taux d'intérêt plutôt proches de 2
que du taux de marché, puisque ça a un impact considérable en fait sur le prix de l'électricité nucléaire, et c'est très peu évoqué, je trouve ça dommage, je voulais avoir votre analyse là-dessus. Sur les retours aussi de Taishan, on a très peu d'informations sur ce qui s'est passé à Taishan, est-ce que vous en avez vraiment, est-ce que ce que les informations qui nous ont été données de la Chine vous semblent crédibles, puisque pareil, s'il y a des problèmes de conception tels qu'ont été, qui semblent remonter, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences pour Flamanville ou pour même nos partenaires finlandais et britanniques. De ce qui ressort, vous avez parlé du Le Pen britannique. Est-ce que, oui ou non, il a bien été simplifié dans son design? Est-ce que Le Pen britannique n'a plus grand-chose à voir avec Le Pen finlandais, par exemple? Et en lien avec ce que vous aviez dit sur le risque de nouveaux creux nucléaires entre la fin de Flamanville et les réacteurs que pourrait lancer le gouvernement actuel, est-ce qu'il vous semble, oui ou non, pertinent d'attendre un EPR 2 avec les risques aussi de validation du design de l'ASN, puisqu'on nous présente la validation du premier design de l'EPR2 comme une évidence. Or, il n'y a aucune raison que l'ASN valide le design de l'EPR2, puisque jusqu'à présent, l'ASN a fait preuve de bien plus d'exigences, donc ça nous est présenté comme une évidence. Moi, ça ne me le semble pas, avec des risques de reporter encore plus le creux nucléaire d'encore de nombreuses années. Pourquoi, visiblement, à votre avis, le fait de ne pas prendre le modèle d'EPR britannique pour lancer des EPR et après de faire la soudure avec l'EPR2? Pourquoi est-ce que ce scénario semble complètement mis à la poubelle? Aussi, sous votre mandat, il y a eu visiblement une tentative de chantage de General Electric sur la maintenance des turbines Arabelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé dans la négociation de ces contrats, des implications sur la souveraineté française? Est-ce que ces tentatives de chantage ont abouti de point de vue des exigences de General Electric? Est-ce que l'État a défendu EDF et la souveraineté française dans le cadre de ce qui a été annoncé par la presse, donc comme un chantage? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives aussi sur la maintenance d'autres équipements de production électrique? Je pense à nos barrages, puisque General Electric a aussi hérité des turbines hydroélectriques. Dans ce cadre d'ailleurs de General Electric, que pensez-vous de la nomination de Luc Rémont comme votre successeur, et notamment de l'acquisition, de la finalisation des turbines Arabelle, sachant que Luc Rémont a donc participé à la vente de turbines Arabelle à General Electric, et donc maintenant il va participer à la finalisation du rachat de la même activité qu'il a vendue. Est-ce que vous, en tant que responsable économique de plusieurs grandes entreprises françaises, ça vous paraît une pratique normale visiblement il soit jugé parti de la même opération financière? Enfin, et ce sera ma dernière question, vous avez parlé en tout début d'intervention des opportunités d'exploiter les hydrocarbures en France pour affermir la souveraineté énergétique française en général, si j'ai bien entendu. Est-ce que vous pourriez développer ce point ou pas? Merci. Voilà. Monsieur Lévy. Merci. Monsieur le député, je crains de ne pas pouvoir répondre à tous vos sujets. Je n'ai pas eu le temps de tout noter, donc je vous prie de m'excuser à l'avance si je ne réponds qu'à ceux que j'ai eu le temps de noter. Vous avez commencé par l'hydroélectricité. Je voudrais revenir quelques instants là-dessus. La Commission a mis en demeure à deux reprises la France d'appliquer la directive concession que la France a acceptée il y a maintenant un peu plus de 20 ans. La France a accepté que la directive concession s'applique à l'hydroélectricité. La Commission demande à la France d'accepter la mise en place d'une directive européenne que la France a acceptée. Maintenant, la France et EDF, est évidemment partie prenante, dit mais quel est le sens de mettre en concurrence des concessions au moment où ces concessions expirent? C'est complètement aléatoire au sein d'une vallée. Une concession expire, une autre n'expire pas. Il y a une désoptimisation flagrante. Et puis en quoi un autre opérateur opérerait-il mieux un barrage que l'opérateur actuel qui a toute la connaissance et toute la masse critique pour exploiter cela convenablement? Et nous sommes donc dans une impasse depuis très longtemps, et j'ai quitté mes fonctions il y a 3 semaines. Le dossier n'est pas très différent de ce qu'il était lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Assez peu de choses, à vrai dire, puisque en dehors des justifications que la France donne à la non-application de la directive concession, peu de choses peuvent être faites du côté des investissements qui seraient pourtant bien utiles en nouveaux barrages. Et donc il y a des possibilité d'améliorer l'exploitation du potentiel hydroélectrique français qui sont mises de côté depuis des années, et en particulier de créer de nouvelles stations, d'augmenter la puissance, mais surtout de créer de nouvelles stations de pompage, les fameuses STEP dont vous parliez. Et il y a des projets qui existent depuis très longtemps. Certains m'ont dit qu'ils étaient déjà à l'ordre du jour. Il y a près de 40 ans.
Oui, parce que finalement, la disposition des montagnes et des rivières qui les traversent ne change pas. Et donc, les ingénieurs, ils se disent, tiens, là, on pourrait faire quelque chose d'intelligent. Et puis, finalement, les conditions économiques ne sont pas remplies à certains moments. C'était le cas il y a quelques décennies. Aujourd'hui, les prix sont élevés, les conditions économiques pourraient être remplies. Mais le droit ne permet pas de le faire. Et donc, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que nous avons tout simplement maintenu le parc tel qu'il est. Le parc fonctionne bien, d'ailleurs. On peut s'en réjouir au moment où on en a bien besoin aujourd'hui. Je voudrais saluer les hydroélectriciens d'EDF, parce qu'on parle beaucoup des centrales nucléaires, mais ceux qui exploitent les barrages aujourd'hui font un travail remarquable pour que ces barrages soient bien disponibles quand on en a besoin pendant l'hiver. Et puis, nous avons fait quelques améliorations de ci, de là, de la puissance de certains barrages. Nous avons pu gagner quelques mégawatts à un endroit, quelques dizaines de mégawatts à un autre endroit. Mais le dossier n'a pas beaucoup changé. Votre deuxième angle de réflexion et de question portait sur les sujets autour du prix, du coût, combien le RN a-t-il coûté en tout chaque année, quels sont les prix. Donc, quels sont les prix de revient? Alors, les prix de revient dépendent évidemment des technologies. Les prix du nucléaire, les coûts du nucléaire ont été évoqués, je les ai évoqués tout à l'heure. Ils avaient été calculés par la CRE en 2019, ils tournaient autour de 50 euros, nous estimions un peu plus de 50 euros, la CRE disait un peu moins de 50 euros, en euros de 2019, parce que depuis nous avons de l'inflation, et cette inflation touche évidemment aussi nos achats, nos salaires, les taxes que nous payons et autres. Et donc c'est pour vous donner une idée à peu près des coûts du nucléaire. Les coûts de l'hydraulique, eh bien évidemment l'hydraulique est très amortie, donc les coûts marginaux de l'hydraulique sont faibles. Les coûts de la production à partir de gaz, pas totalement négligeables, sont extrêmement volatiles. Aujourd'hui, ils sont très élevés. C'est eux qui font les prix. Et les coûts de production du renouvelable résultent des appels d'offres que nous gagnons ou que nous ne gagnons pas quand la Commission de régulation de l'énergie organise ces appels d'offres. Donc, au total, vous avez une panoplie de coûts tels qu'ils sont constatés aujourd'hui, qui est extrêmement variable. Et donc, je ne me reconnais pas dans le chiffre de 80 ni dans le chiffre de 120. Je vous donne un coût du nucléaire qui est celui que la Commission de régulation de l'énergie a envoyé à la Commission européenne, qui, à ma connaissance, avait plutôt accepté, qui était autour d'une cinquantaine d'euros en euros de 2019. Et puis ensuite, eh bien, ça dépend de la volatilité des choses et du marché. Combien l'ARENH a-t-il coûté à EDF? C'est extrêmement difficile à calculer parce qu'on peut difficilement faire des simulations précises et même grossières sur le comportement des acteurs économiques s'il n'y avait pas eu l'ARENH. Est-ce que nos concurrents auraient ou non investi plutôt que de se contenter d'attendre que nous leur livrions le courant électrique que nous avons produit et que nous avons sur la base des infrastructures que nous avons construites. Donc c'est très difficile de dire quel est le coût de l'ARENH. Ce qui est certain, c'est que quand notre parc nucléaire, aujourd'hui son coût direct, sans même parler d'un coût de reconstruction, est d'une cinquantaine d'euros, je rappelle qu'il était question de le monter à 52 quand je suis arrivé et que le gouvernement était d'accord là-dessus, le gouvernement de 2014 et de 2015, et que vous touchez 42 euros. De la même manière maintenant que vous les touchiez en 2012, le manque à gagner est tout à fait considérable. Il est de plusieurs milliards d'euros chaque année, vu du producteur que nous sommes. Mais que serait le marché si les opérateurs alternatifs avaient été incités à construire plutôt qu'à parasiter en quelque sorte le système existant? En ce qui concerne Fessenheim, les conditions de l'accord de Fessenheim, je me laisse à mon prédécesseur le soin de critiquer s'il l'a bien fait, un accord qu'il n'a pas négocié. Moi, je me contenterai de vous dire que cet accord a fait l'objet de nombreuses réunions d'un comité d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'EDF, auquel l'État ne participait pas. Et lors du vote de la résolution approuvant l'accord qui avait été négocié par mes soins avec l'État, les représentants de l'État n'ont pas participé au vote en application des règles des bonnes gouvernances. Donc cet accord a été validé par la Commission de Bruxelles. Ce n'est donc pas une aide d'État. Si l'État nous avait aidés, il aurait été rejeté. Il a été validé par les administrateurs indépendants qui représentent l'intérêt social de l'entreprise. Et cet accord est public, il est évidemment très épais. Et je voudrais simplement vous dire qu'il inclut une somme fixe qui a été versée par l'État. Alors, je vais me tromper, je pense qu'il a été versé par l'État fin 2019, mais je voudrais
pas dire compte rendu que c'est une certitude absolue, mais cette somme fixe a été versée par l'État et il comprend une somme variable qui sera versée par l'État 10 ans après la fermeture en observant ce qui s'est passé sur le parc à 900 MW pendant les 10 années précédentes et à nouveau 20 ans après la fermeture en observant ce qui s'est passé sur le parc entre la 11e et la 20e année. Donc il y a une somme fixe déjà versée et il y aura ou il n'y aura pas, selon des formules un peu compliquées, une nouvelle somme qui sera versée en 2031 et une nouvelle somme qui sera versée en 2041. Donc moi je ne qualifierai pas l'accord de savoir s'il est bon sans être en 2041 pour voir si finalement le manque à gagner était très significatif ou était simplement lié à la somme fixe versée en 2020. La fermeture de Fessenheim est-elle irréversible? Non, bien sûr, on pourrait toujours décider que tout ce qui a été démantelé, démonté, peut être reconstruit. Simplement, la loi française impose de démanteler le plus vite possible, selon des prescriptions de l'autorité de sûreté. Et donc nous appliquons un programme sous le contrôle de l'autorité de sûreté qui nous conduit à démanteler le plus vite possible de manière à retraiter les matières radioactives qui sont sur le site. Et donc les combustibles ont déjà été mis dans des piscines qui sont prévues pour cela. Elles sont les principaux équipements qui n'ont pas vu de radioactivité sont bien sûr démantelés au fur et à mesure. Et on pourrait toujours dire qu'on va reconstruire. Mais pour reprendre le terme que vous avez employé vous-même, monsieur le député, je pense que ça ne serait pas dans un temps raisonnable. Et par ailleurs, l'idée de faire de Fessenheim un laboratoire du passage de 40 à 60 ans, cette idée fait l'impasse sur le fait que nous ne savons pas aujourd'hui ce que seront les prescriptions de l'ASN pour passer de 50 à 60 ans. C'est un travail qui est en cours, puisque nous avons dépassé les 40 ans, nous allons vers les 50 ans. Donc il s'agit de se préoccuper de ce qui se passera pour cette fois-ci dépasser les 50 ans et aller jusqu'à 60 ans. Mais nous ne connaissons pas aujourd'hui les prescriptions de l'ASN pour aller au-delà de 50 ans. Pardon ? Non, ce sont des critères de sûreté, monsieur le député. Ce sont des critères de sûreté. Il y aurait ensuite tout un tas de documents administratifs qu'il faudrait passer à travers de nombreuses concertations. Et je faisais l'impasse sur ce sujet. Pourtant, important, vous avez raison, des permis dont nous avons besoin, des autorisations dont nous avons besoin pour fonctionner. Là, je parlais uniquement de reconstruction et de passage de 50 à 60 ans, qui est un sujet qui, aujourd'hui, n'est pas totalement clarifié, même si, évidemment, il fait l'objet de travaux. Ensuite, vous avez parlé de politique produit et d'abord vous avez parlé d'Hinkley Point. Vous dire d'abord qu'il n'y a pas d'argent prêté par le gouvernement britannique à Hinkley Point, puisque justement, quand je parlais industrie, économie et financement, la difficulté sur Hinkley Point, c'est que je dirais les objectifs industriels sont évidemment majeurs, les perspectives économiques sont de bonne facture, et par contre le financement fait porter sur EDF et sur notre partenaire chinois la totalité du financement. Donc nous ne dépendons pas de financement du gouvernement britannique. Vous avez raison de dire que si nous avions des prêts garantis par le gouvernement britannique, nous aurions des taux de financement qui seraient meilleurs. Mais ce n'est pas le cas, nous n'avons pas de prêts garantis pour le gouvernement britannique sur Hinkley Point. Alors, en ce qui concerne la manière dont on calcule effectivement les prix de revient du nucléaire, le coût du capital est essentiel, puisque le propre des installations telles que le nucléaire, c'est que vous dépensez beaucoup pendant la phase de construction, et ensuite vous portez devant vous une dette importante que vous remboursez au bout de nombreuses années avec les recettes. Et que donc le coût complet, le coût pondéré du capital entre les fonds propres et la dette est évidemment un élément tout à fait majeur du prix de revient que vous calculez à la fin. Et que si vous bénéficiez d'une garantie d'un État, vous empruntez, et le poids de la dette étant très important, vous empruntez à des taux qui sont bien meilleurs que si vous n'avez pas cette garantie de l'État, et que ça peut en effet, selon certains modes de calcul, faire passer pas de 1 à 5, mais de 1 à 2, le coût complet, selon que vous empruntez sur un marché où le taux d'intérêt sont chers, ou bien selon que vous bénéficiez d'une garantie de l'État, ce qui fait effondrer votre coût de votre taux d'intérêt, enfin le
le coût du capital, le coût pondéré du capital. Mais en effet, vu que vous dépensez beaucoup tout de suite, les coûts d'exploitation sont relativement mineurs, même dans la durée par rapport aux coûts de construction. Le problème de financement est tout à fait clé. Ensuite, vous m'avez interrogé sur la politique produit, sur l'EPR et sur les différents EPR, avec pas mal d'aspects que vous avez abordés. Alors, je vais d'abord peut-être régler le problème de Taishan, si vous le voulez bien, pour vous dire que lorsque j'ai quitté EDF il y a 3 semaines, les informations publiques, je n'en ai pas vu d'autres depuis, c'est que les 2 réacteurs de Taishan fonctionnent. Parce que j'ai cru entendre quelqu'un dire hier qu'ils ne fonctionnaient pas. Voilà, les 2 réacteurs de Taishan fonctionnent. Le réacteur numéro 2 n'a pas rencontré de difficultés particulières. Par contre, le réacteur numéro 1 a rencontré des difficultés particulières qui ont conduit à une interruption longue. Pour analyser les causes de cette difficulté, ces causes ont été analysées. Les conséquences de la cause racine des difficultés rencontrées ont été analysées également par les autorités finlandaises, françaises et britanniques, de façon à ce que quelques adaptations qui ne sont pas significatives puissent être faites au moment du débarrage de Olkiluoto en Finlande, de Hinkley Point en Grande-Bretagne et de Flamanville en France. Et puis, la partie du réacteur qui a rencontré des difficultés va faire l'objet d'une surveillance particulière qui pourrait conduire plus tard à ce que d'autres adaptations soient faites. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mise en cause du bon démarrage ni d'Olkiluoto, qui est quasiment démarré puis qui s'est interrompu, bon, ni de Flamanville, ni un peu plus tard d'Hinkley Point, qui serait lié aux difficultés rencontrées sur Taishan. Et après environ une année d'interruption, le réacteur de Taishan 1 a redémarré et va terminer le cycle du combustible, puisque vous savez que les réacteurs s'arrêtent pour remplacer une partie du combustible à période définie. Et donc le réacteur de Taishan 1, en tout cas, il y a 3 semaines, fonctionnait. Voilà, je voulais donc traiter ce sujet-là. Ensuite, la politique produit en ce qui concerne l'EPR, la politique que j'ai menée chez EDF, est de construire des EPR aussi similaires que possible, mais ce n'est pas nécessairement facile, parce que chaque autorité de sûreté à sa propre vision de la sûreté. Nous ne sommes pas comme dans l'aviation civile où quand vous avez votre certification dans un pays, vous, comme les États-Unis, vous l'avez automatiquement, par exemple, dans tous les pays d'Europe et de facto dans tous les pays du monde. Nous ne sommes pas comme l'aviation civile. Chaque autorité de sûreté est souveraine sur son pays. Il y a des contacts, mais quand même assez informels, entre les différentes autorités de sûreté. Il y a un corps de doctrine de la IEA basé à Vienne, mais qui donne juste des principes généraux. Et donc, de fait, l'EPR de Taishan n'est pas vraiment l'EPR d'Olkiluoto, n'est pas vraiment l'EPR de Flamanville, n'est pas vraiment l'EPR d'Hinkley Point et ne sera pas non plus l'EPR de Sizewell. Néanmoins, tous ces EPR, les 2 de Taishan, celui d'Olkiluoto, celui de Flamanville, ça fait 4, et les 4 en Grande-Bretagne, sont de l'EPR, on va dire, de première génération, avec un certain nombre de conceptions qui sont voisines ou identiques, et puis des mises en œuvre qui sont un peu différentes de site en site, et qui quelquefois, il faut bien le reconnaître, coûte cher, ces différences. Quand je suis arrivé, et le projet a prospéré depuis, les ingénieurs d'EDF avaient en tête que l'EPR tel qu'il avait été conçu, et ça remonte aux années 90, au moment des accords franco-allemands, au moment où il y avait une division nucléaire au sein de Siemens, qui a depuis été rachetée par Framatome, au moment des accords franco-allemands, cet objet industriel était considéré comme un peu compliqué. Et donc, un EPR dit EPTR optimisé a été conçu progressivement par les ingénieurs d'EDF. Il est aujourd'hui disponible pour le parc français, qui va être, j'espère, construit sur la base des décisions prises par le gouvernement ou présentées par le gouvernement. C'est un EPR optimisé dont la construction est facilitée avec un certain nombre de simplifications par rapport à ce qui était devenu un petit peu compliqué dans le cadre du programme franco-allemand d'origine. Je me permets de revenir sur ce que vous avez dit. L'autorité de sûreté nucléaire a validé toutes les options de sûreté de cette EPR de deuxième génération. Toutes les options de l'EPR 2 ont été validées. Nous sommes en train de faire les designs détaillés qui correspondent à ces validations, mais nous savons ce que nous avons à faire, puisque la conception générale en matière de sûreté a été acceptée par l'ASN, et donc le travail de conception qui est à faire, il est lourd, il prend du temps, mais il ne devrait pas apporter de différence par rapport à ce qui a été d'ores et déjà
d'ores et déjà accepté il y a peut-être environ 18 mois ou 2 ans par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc voilà en ce qui concerne la politique produit de l'EPR, une première génération d'EPR qui sont semblables les uns aux autres, mais qui ne sont pas exactement les mêmes malheureusement, et donc ils sont 8, et puis une deuxième génération d'EPR qui sont ceux que nous espérons construire en France et puis dans d'autres pays. Nous, en tout cas, qu'EDF espère construire en France et dans d'autres pays qui sont nos cibles à l'exportation. Et puis, j'avais noté peut-être le dernier sujet, vous parliez des turbines Arabelle. Donc, pour vous dire que, en effet, le contrat qui lie la maison EDF avec Alstom devenu GE est périodiquement revu. C'est vrai des turbines Arabelle, comme c'est vrai de la maintenance du parc hydroélectrique, comme c'est vrai de la maintenance des turbines à gaz, puisque GE est également un fournisseur de turbines hydroélectriques et de turbines à gaz pour, et puis d'autres choses encore pour EDF. Et donc, périodiquement, ces contrats sont revus. GE a fait savoir, il y a peut-être maintenant un an et demi ou 2 ans, qu'il ne souhaitait pas garder son activité nucléaire en dehors des États-Unis, et nous a demandé à l'État français et à EDF si il était envisageable que cette activité industrielle soit reprise par EDF. Et donc, après de longs travaux de diligence, d'analyse détaillée des comptes et des produits industriels, un accord a été signé entre GE et EDF, qui est aujourd'hui soumis aux autorités de contrôle des concentrations en Europe et dans d'autres pays du monde, et qui devrait normalement conduire à ce que dans le courant de l'année 2023, EDF dispose d'une filiale industrielle fabriquant et assurant la maintenance des turbines Arabelle. Voilà ce que je voulais merci dire beaucoup. En réponse à vos questions. Vous pouvez peut-être reprendre le micro, pardon, je vous en prie. Parce que je ne peux pas quand vous l'avez dit. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous affirmez ou vous confirmez les informations de la presse comme quoi, dans les mois qui ont suivi la cession de Alstom Energy à GE, il y a eu, une grève de la maintenance des turbines, notamment Arabelle, de nos centrales nucléaires, et une pression de General Electric pour revoir, dans des conditions plus avantageuses pour les Américains, l'entretien de nos centrales françaises. Et ces articles font état de votre mauvaise humeur et de votre alerte du gouvernement sur cette, je cite, grève de la maintenance. Bien, alors ça doit vouloir dire que je suis souvent de mauvaise humeur, ce n'est pas une bonne chose. Non, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu le moindre retard sur le parc nucléaire qui serait lié à des différences contractuelles entre GE et EDF. Par contre, j'ai connaissance qu'en effet, périodiquement, les contrats entre les fournisseurs et EDF, et GE ne fait pas exception à cela, sont réexaminés et renégociés. Merci. Je crois, Monsieur Tanguy. Madame Lernos. Oui, merci. J'avais quelques questions également. Vous avez, dans vos propos liminaires, évoqué le fait que nous étions, et certains d'autres personnes que nous avons auditionnées ont confirmé cela, que nous sommes en France plus thermosensibles, puisque nous avons plus d'installations électriques pour le chauffage. Et donc, vous l'avez qualifié dans vos propos liminaires comme un net avantage. Je voudrais vous interroger sur le fait que ça pourrait éventuellement constituer, au contraire, une fragilité, dans la mesure où on peut s'interroger sur l'utilisation de notre électricité, que le chauffage électrique a une plus faible efficacité énergétique et que la chaleur renouvelable existe et est nécessaire à être développée. C'est une première question de dire est-ce que ce n'est pas une fragilité française que d'avoir beaucoup de son parc de chauffage en électricité. Sur la question des énergies renouvelables, on comprend bien qu'on a eu un retard en France sur le développement des énergies renouvelables. Nous avons interrogé votre prédécesseur, M. Proguillot, qui tenait à peu près les mêmes propos que vous avez tenus sur les énergies renouvelables.
Vous avez dit on n'a pas les moyens, on n'avait pas les moyens à EDF financiers de le faire. Est-ce que vous confirmez donc simplement que dans la stratégie d'EDF, vous avez privilégié les moyens financiers et techniques sur le nucléaire au détriment des énergies renouvelables? C'est cette précision que je souhaitais avoir. Je voulais revenir, même si ça a été évoqué par d'autres orateurs, le fameux projet de Hinkley Point. Monsieur le Président de la Commission vous a interrogé sur la décision du Conseil d'administration d'EDF en 2016, après effectivement la démission du directeur financier, Monsieur Piquemal, qui déclare, je cite, « ne pas pouvoir cautionner une décision susceptible avec ce projet d'amener EDF dans une situation proche de celle d'Areva ». Il y a aussi des administrateurs qui iront jusqu'à saisir la justice pour stopper le lancement du projet, considérant que vous ne leur avez pas fourni les éléments nécessaires et les informations en votre possession pour prendre une décision éclairée lors de ce conseil d'administration. Trois ont d'ailleurs été reconnus, des personnes participant à ce conseil d'administration, en conflit d'intérêts au moment de ce vote. Ma question est donc assez simple. Il y a eu des recours en justice qui ont été portés par des personnes qui faisaient partie du conseil d'administration sur le fait qu'il n'avait pas eu toutes les informations pour prendre un vote et une décision éclairée à ce conseil d'administration de juillet 2016. Et dans les rendus des tribunaux, il y a manifestement trois personnes qui participaient au conseil d'administration qui semblait être en conflit d'intérêts. En tout cas, c'est ce que la justice a indiqué. Ma question est donc, qu'est-ce qui a pu motiver? On voit quand même qu'il y a eu pas mal de tensions, y compris au sein d'EDF, ce passage en force au sujet du projet de Hinkley Point. Sur la question de l'EPR, et vous avez évoqué, et vous l'avez réitéré ici, les difficultés en matière de compétences ou manque de compétences par rapport au désastre, ou on peut le qualifier comme on veut, ou dérapage sur l'EPR de Flamanville, aussi bien en termes de coûts qu'en termes de délai. Je cite M. Proglio, que nous avons auditionné hier, qui nous a dit la chose suivante: « L'EPR est un enjeu trop compliqué, quasi inconstructible. On en voit aujourd'hui les difficultés. Les grands patrons du nucléaire d'EDF l'avaient anticipé. C'était le seul outil qui était disponible dans notre univers. J'avais pesté en étant administrateur indépendant contre les avenants au contrat de construction de l'entreprise de construction. On était au 15e avenant. Il a ensuite expliqué qu'il est allé sur place pour vérifier et que l'entreprise lui dit « Tu sais, si je ne vais pas là-dedans, j'arrête les travaux. » C'est des citations. « Non, parce que je ne peux pas m'en sortir. J'ai déjà perdu 250 millions, donc j'arrête. » Et il explique « Et donc vous passez du 17e, 18e, 19e, 20e avenant. C'est une vie sans fin. » J'ai eu la faiblesse d'annoncer pour 2014 la connexion au réseau parce que mes ingénieurs m'avaient dit « Écoutez, chef, vous pouvez annoncer 2000, allez, 2012, ça devrait coller, quoi. » J'ai pris 2 ans de marge, mais bon, toujours pas connecté en 2012. Donc non, il y a un vrai problème de l'EPR. Est-ce que c'est pas plutôt un souci de cet ordre-là, de s'être lancé dans une aventure qui n'était manifestement pas maîtrisée et qu'on ne savait pas faire et qu'on poursuit dans cette fuite en avant ? La dernière question que je voulais vous poser, c'était concerne les problèmes de qualité et traçabilité et de surveillance dans l'usine italienne de fabrication des pièces de remplacement pour la corrosion. L'ASN a récemment mené une inspection dans l'usine Tectubi à Podenzano en Italie, où EDF sous-traite la fabrication des pièces de remplacement pour les circuits affectés par la corrosion sous contrainte. Dans son rapport d'inspection qui date du 7 novembre dernier, il relève un sérieux problème de qualité, un manquement de traçabilité de surveillance. Et en août, l'ASN sont à l'identique avec les anciennes, donc faute de retour d'expérience incriminant les matériaux ou les procédés de fabrication. En tant que fabricant réglementaire, vous êtes chargé du contrôle de la sous-traitance de ces pièces. Que pouvez-vous nous dire des conditions qui règnent sur les sites de fabrication de cette usine ? Au regard des difficultés que représente aujourd'hui la corrosion sous contrainte de la filière, comment se fait-il que l'ASN puisse aujourd'hui constater de tels manquements? Est-ce que vous avez pris des mesures suite aux demandes formulées par l'ASN?
Peut-on garantir que les pièces de remplacement ne seront pas affectées par la corrosion sous contrainte? Il me semble que là, c'est d'une importance aussi actuelle par rapport à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique français. Et aussi, pourquoi sous-traitez-vous cette fabrication essentielle pour la sécurité de nos centrales en Italie? Merci, Monsieur Lévy. Merci. Beaucoup de questions et beaucoup d'informations qui ont des sources que j'ignore. La thermosensibilité, je crois que le chauffage électrique, pour tous ceux qui sont attentifs à la décarbonation, est évidemment un atout majeur de notre pays. Vous avez parlé de chaleur renouvelable. Oui, c'est très bien, mais quelles sont les perspectives dans ce domaine, puisque les volumes de chaleur renouvelable sont extrêmement modestes. Et on aimerait bien évidemment que l'économie circulaire fonctionne un peu mieux, mais on sait bien que les perspectives de chaleur renouvelable, hein, je ne parle pas de à partir de gaz et de charbon, chère madame, hein, pour les réseaux urbains, comme on le sait, la plupart des réseaux urbains dans le monde utilisent de façon très majoritaire du gaz et du charbon. Donc ce n'est pas dans cette perspective que l'EDF, quand je le dirigeais, se situait. Nous essayons en effet de répondre aux demandes de l'ADEME, qui était de limiter l'utilisation de combustibles fossiles. Mais chacun voyait bien les contraintes qui pouvaient s'exercer, en particulier sur la biomasse ou sur la récupération de chaleur issue de déchets. Et donc... Avec la ressource qui est disponible, il n'y a pas de doute qu'il faut beaucoup de chauffage électrique. Et nous avons, quand je dirigeais EDF, milité avec succès pour enfin mettre fin à cette réglementation qui avait été mise en place, dans les années 2012, qui donnait une priorité au chauffage au gaz et qui donc détruisait une grande partie des équilibres et de l'écosensibilité de la planète à cause du gaz naturel. Donc vous dites, est-ce un avantage ou une fragilité? Moi, je crois que c'est clairement un avantage, c'est ce que j'ai dit dans mon propos introductif, que nous ayons la possibilité d'utiliser beaucoup d'électricité décarbonée pour nous chauffer. Nous pourrions sûrement l'optimiser encore davantage. J'ai vu des chiffres récemment qui montraient qu'une très très grande majorité des bâtiments, évidemment les logements individuels, mais aussi des bâtiments collectifs, ne disposent pas de système d'optimisation de la manière dont ils sont chauffés. Et donc je crois qu'il y a plus à rechercher aujourd'hui du côté de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Et ce sont des dossiers que les équipes d'EDF travaillent étroitement avec la profession du bâtiment. ENR. Oui, j'ai dit en effet que j'aurais bien aimé disposer de plus d'argent pour faire des ENR, mais je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de la France et ce qui relève des autres pays. Nous ne pouvons pas être compétitifs dans le domaine des ENR si nous ne sommes pas présents hors de France. Pourquoi ? Eh bien parce que la France représente moins de 1% de ce qui se construit chaque année en matière d'éolien et de solaire, et que l'objectif d'EDF étant de disposer de 30% de parts de marché en France, ça voudrait dire que nous serions compétitifs avec une part de marché aussi faible. C'est évidemment impossible. Et donc, j'aurais bien aimé que nous puissions être encore plus compétitifs en ayant encore plus de moyens pour faire des ENR en dehors de France. En France, je crois que nous avons disposé des moyens nécessaires à répondre aux appels d'offres. Je rappelle que sur l'éolien en mer, qui est peut-être la technologie la plus prometteuse, EDF a gagné 4 des 7 appels d'offres qui ont été lancés ou attribués d'ailleurs, parce qu'il y en a un 8e qui a été lancé mais pas attribué. 4 des 7 appels d'offres d'éolien maritime qui ont été attribués en France ont été pour EDF. Donc nous avons essayer de mettre un maximum des ressources que nous avions, à la fois les ressources humaines et les moyens financiers, pour faire des ENR en France. Et nous avons en effet souffert de ne pas pouvoir en faire davantage à l'étranger, ce qui nous aurait rendu encore plus compétitifs. Y a-t-il eu un arbitrage entre les constructions nucléaires et les ENR? Je répondrai oui et non, parce que lorsqu'il s'agit de maintenir le parc nucléaire existant ou de terminer le chantier de Flamanville, on ne peut pas vraiment parler d'arbitrage.
Maintenant, il est clair que la décision, et je vais y revenir, qui a été prise sur Hinkley Point, est une décision de politique qui a été prise par le conseil d'administration d'EDF et qui est une décision de politique industrielle, de politique énergétique, et qui, je crois, correspond au fait que les majorités qui ont été élues par le peuple en France au fil du temps ont toutes confirmé la nécessité de poursuivre le nucléaire. Et de ce point de vue-là, donc j'y reviens, Hinkley Point était à mes yeux démonstration très claire que nous n'étions pas seuls, nous les Français, mais nous avions il y avait d'autres pays d'Europe, pas seulement en Europe de l'Est, mais aussi à proximité, ça a été confirmé depuis avec Sizewell, d'autres pays très proches comme la Grande-Bretagne étaient prêts à s'associer au projet industriel nucléaire en France. Ensuite, j'ai pas bien compris ce que vous aviez dit sur Hinkley Point en matière de passage en force, puisque le conseil d'administration qui vote à la majorité, je ne vois pas ce qui vous amène à dire que c'est un passage en force. Un directeur financier qui démissionne parce qu'il a trouvé, à vrai dire, 15 jours après, il était dans une autre banque. Hein, il est allé dans une banque. Alors bon, chacun peut voir s'il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord ou parce qu'il avait trouvé un meilleur travail. Bon, en tout cas, il a dit ce qu'il voulait dire, hein. Il s'est exprimé d'ailleurs ici même. Ensuite, en ce qui concerne les conflits d'intérêts, moi je n'en ai pas la trace, donc j'aimerais que vous me trouviez la décision de justice, pas l'article d'un journal, s'il vous plaît, hein. La décision de justice qui... Parce que s'il y a une décision de justice qui dit qu'il y a un conflit d'intérêts, il y a une décision de justice qui annule la décision du Conseil. Puisque s'il y a un conflit d'intérêts, automatiquement la justice annule la décision du Conseil. Donc je serais intéressé à savoir quelle est la décision de justice à laquelle vous vous référez. Oui. La référence de la décision de justice, Madame Lernos. Monsieur Lévy, pardon. Donc c'est une décision de justice qui date de février 2017 du tribunal de commerce de Paris, je cite, qu'il est manifeste qu'au vu des éléments du dossier, que trois administrateurs étaient également administrateurs de sociétés susceptibles de bénéficier de façon certaine ou potentielle des retombées industrielles et commerciales du projet Hinkley Point, exceptionnel tant par sa taille que par sa renommée mondiale, et qu'ainsi ces trois administrateurs avaient un intérêt de nature à influer ou à paraître influer sur leur impartialité. Et la dernière citation, c'est que leur citation était caractéristique d'une situation de conflit d'intérêts. Donc sur la base de cette analyse, Madame la députée, le tribunal de commerce n'a pas annulé, alors qu'il en a le pouvoir, la décision du conseil d'administration. Citer cette décision de justice, puisque manifestement il y avait la démission d'un directeur financier et puis des recours juridiques par rapport à l'influence qu'il y avait eu et de ne pas avoir les bonnes informations pour décider de s'engager ou pas dans le projet Hinkley Point au conseil d'administration de juillet 2016. Il me semblait que ces éléments étaient de nature normale dans le cadre de cette commission d'enquête de vous interroger sur ces faits-là, puisque vous êtes ici aussi sous serment, sous cette audition. Très bien. Donc, je vous confirme sous serment que la décision du conseil d'administration d'EDF n'a pas été annulée au motif d'un quelconque conflit d'intérêts d'un administrateur, Madame la députée. Sur l'EPR, finalement, votre question, et là, je vous rejoindrai, est-ce qu'on est parti trop tôt, hein? Oui, je crois que le rapport Foltz montre bien que le lancement des travaux de l'EPR, je vous invite à le relire ou à le lire, il fait 30 pages, il est accessible facilement. Le rapport Foltz dit bien que la construction du chantier a démarré alors que la conception détaillée n'avait pas été approuvée, que les plans d'exécution n'étaient qu'à peine disponibles. Hein, évidemment, tous les plans d'exécution ne sont jamais disponibles au moment du lancement d'un chantier, mais là, il n'y en avait pratiquement pas, et que donc on a été... pénalisé, le chantier a été pénalisé par le fait que la décision de lancer le chantier aurait dû être prise avec davantage d'études disponibles. Je dirais aussi que sur le chantier de Flamanville, des modifications ont été apportées par l'autorité de sûreté aux règles de gestion des appareils sous pression qui ont évidemment induit des changements et des retards. Le sujet sur lequel le rapport de Jean-Martin Foltz est également assez disert. Enfin, vous vous référez à un document de l'ASN que je ne connais pas, qui parlerait de problèmes de
qualité d'acier fabriqué en Italie pour réparer les tuyaux de corrosion sous contrainte. Donc là, Madame la députée, je ne connais pas le document de la SN dont vous parlez. Vous avez dit qu'il est du mois de novembre et avant de quitter mes fonctions, je n'en ai pas eu connaissance. Je sais qu'en effet, deux sociétés italiennes ont été en mesure de fabriquer assez rapidement les aciers dont on a besoin. Je vous dirais simplement que le problème n'est pas tant la qualité des aciers que la qualité des soudures. Et que toutes les informations qui me sont remontées, c'est que les soudures de réparation qui ont été faites sur les réacteurs qui sont atteints par la corrosion sous contrainte, que ces soudures sont faites avec la qualité nécessaire et que tous les réacteurs qui ont été redémarrés l'ont été après, évidemment, une approbation par l'ASN de la qualité de ces soudures telle qu'elle est mesurée. Donc moi, je n'ai pas connaissance d'un document de l'ASN sur l'acier lui-même. L'inspection de l'ASN qui a été menée dans l'usine italienne, c'est date du 18 octobre 2022. Peut-être que c'était parce que vous étiez en fin de mandat, mais en tout cas, normalement, il me semble que le directeur général d'EDF aurait dû avoir connaissance, puisque ce rapport a été fait suite à cette inspection menée et qui incriminait non seulement, qui posait la question sur la qualité des matériaux ou les procédés de fabrication, et c'est dans ce sens-là que cette inspection a été menée. Et donc, moi, ça m'inquiète que vous n'ayez pas ou vous ne soyez pas au courant de ces rapports de l'ASN. Merci. Sauf si vous voulez compléter, mais je... Non, simplement, je confirme que je n'ai pas été informé d'une quelconque analyse de la nature dont Madame la députée parle. Et d'ailleurs, on recevra la SN, mais on pourra le demander à la SN. Date d'inspection et remise de rapport, c'est rarement concomitant d'un point de vue calendaire. Merci beaucoup, Monsieur Lévy, pour votre disponibilité, pour les réponses précises et les interrogations que vous avez partagées avec nous. Je pense que tout ça contribue progressivement de comprendre le paysage décisionnel français en matière d'énergie et les relations qu'entretiennent les différents acteurs. Je pense aussi que ce soir, nous avons fait honneur à la représentation nationale en poursuivant nos travaux, malgré les événements populaires qui préoccupent, je pense ce soir, une majorité de nos compatriotes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée.